Voilà. Bon, après, il va falloir trouver un moyen pour arriver là-bas tout en haut dans le clocher, mais... Et terminer la petite alcôve sur le côté. Il y a un petit message à madame. Voilà. Alors. Oui, bah oui. Non mais sans deck, on va bouger leur truc ici, hein. On va récupérer la table. Hop. Ah ouais, putain, je peux pas bouger parce que c'est pas moi qui ai mis. Ah, ça c'est saoulant. Ça c'est méga saoulant. Il faut que je fasse maintenant. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Il faut que je change le marteau maintenant. On va faire un truc un peu plus stylé. Alors. Qu'est-ce qu'il faut? Cette planche, lingot. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Lingot de fer, 2, 2, 4. Bon, allez, ça va ou quoi? Surtout que je retrouve mon cheval. Ah, ça va pas le faire. Ça va pas le faire avec 8. Alors 6 planche 15. Non. Non. C'est pas possible. Il y a encore des petits bugs hein, dans le jeu, il y a des trucs qui disparaissent, c'est vraiment bizarre. Bonjour à vous, bienvenue sur le chat, n'hésitez pas à claquer un petit coucou, comme ça je sais qui vous êtes, et on peut parler un petit peu sur Outlaw, si vous êtes des cobayes, ou si vous êtes plutôt des gars de terrain de Division 2, Outwatch, Overwatch pardon, et tout team. Voilà, n'hésitez pas à claquer un petit follow. Et si, by the way, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, on a des planches. Et n'hésitez pas à dire aussi si vous aimez Outlaw, si vous seriez intéressé par nous rejoindre et voilà, et former la petite communauté. La communauté d'Outlaw. Alors, on va commencer par ça, bim. Bon, l'idée, je pense que ce qui serait pas trop mal, c'est de faire le premier étage avec des trucs un peu comme ça. Un peu stylé, peut-être un peu comme ça. Hein? Je dirais plus comme ça, peut-être. Histoire de faire vraiment un peu cérémoniel, voilà. Et ensuite, au-dessus, on claquerait ça. Ça donnerait un peu une façade un peu stylée. 15 planches. Façade en bois fini. 15 planches. Mais bon, après, il faudrait voir ce que ça donne de l'autre côté. Voilà.
Ça, c'est peut-être pas top. Je sais pas, vous voyez, on aurait ça au-dessus, tac tac tac, et alors un autre truc en dessous. Voilà. Moi, ça me tente pas mal. Bon, après, on peut toujours rectifier, hein, mais. Bon, un cheval. Mon royaume pour un cheval, comme dirait l'autre. Ça c'est fait. Ensuite, il va falloir que. Bah ouais, il va falloir que je farme un max. Est-ce qu'il en a pas laissé sur le chariot du minerai, peut-être? Non, ils ont mis du bois. Et ça. Je vais faire tout prendre. Je pense pas que je vais courir un max là. Mais je vais aller ranger ça dans mes réserves parce que je les connais. Je les connais. Ils vont encore tout utiliser. Et ça va être bien bordélique quoi. Ça, vous savez, j'ai ma petite réserve à moi. Ça m'appartient pas, mais je les connais. Donc du coup, moi, je range mes petits trucs un peu à l'abri. Mais ça permet tout d'un coup, tu vois, quand t'as un Isra ou un Oups, tu fais hey, « mais Pierre, qui a de la pierre ?» Ben, ok, va voir dans les réserves. Voilà. Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Tout prendre. Hop. Oh, cela il se double clip pas. Il faut les drag and drop. Ok. Bon bah on est reparti, on va un peu farmer sans cheval, ça va être un peu chaud quand même. Hein. Bon, faudrait quand même un petit. Et j'avais un beau Mustang noir, je sais pas où il est. Mais il meurt de faim, hein. C'est un truc de fou, à mon avis c'est ça, c'est bêtement le mort de faim. Et ils sont tous morts quoi. Oh, elle claque, hein, elle claque, elle claque, elle claque. Ça va, on peut pas dire non plus que c'est une église de merde. Après, ce qui me fait chier, c'est leur réserve à côté, quoi. Comment ça, ça me pompe un peu. On prend un peu trop de place. Vas-y, c'est parti. On farme à mort, c'est super coto. Ma HL est très forte et je vais la perdre. Il faudrait surtout que j'ai un cheval, putain, un cheval. Ça me serait tellement utile, quoi. On va me faire une nouvelle chose. Une nouvelle hache, ça je serai tranquille. On pourrait carrément, carrément en faire 3-4 quoi, tout le monde. Je vais vous mettre ça dans un stock de chez le forgeron et puis c'est bon quoi. Surtout que je crois qu'il faut pas grand chose pour faire une hache donc.
Ah, il court quand même plus vite sans la pioche. Hein. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont foutu là? C'est quoi ça? Ok, un autre personnage. Ah mais il est pas encore dans... Il est pas encore dans le... Vous avez faim? Non j'ai pas faim, j'ai à moitié, j'ai 50 sur 100, ça va quoi. J'ai déjà bouffé ce matin. Ça c'est vraiment dommage, je trouve que quand t'es dans la même guilde, tu devrais pouvoir déplacer les affaires des autres en fait. Parce que là c'est un peu... Bon, bon. Ok, la cabane du pêcheur. Là, je vais aller me refaire une hache, c'est ça qu'on avait dit. Bim, une hache. Ouais, 10 minerais 15, ça va quoi. Pas non plus exagéré. Une faucille. Est-ce que j'ai une faucille, Jeanneton? J'ai une serpette, mais j'ai pas une faucille. On va en faire une quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un glacier, pompe à pétrole, lingot de fer, 20. Planche 100 et cuir 10. Pomper le pétrole du sol. Oui, d'accord. Je suis d'accord, mais il faudrait... Oh là 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 la vache. Non, savoir où il a déjà foutu sa... Ah là-bas, la pompe à pétrole est là-bas. On va aller voir. Mais qu'est-ce qu'ils ont été la foutre là-bas, quoi? Mais gars! T'avais pas envie de la mettre encore plus loin? La faucille, 3. Et je vais hop, mettre ça en 4 pour voir un peu la différence entre les deux. Alors. 12. Donc 52 sur 3. Et là... Ah non, la faucille ramasse plus. Hein. Ça c'est clair, la faucille ramasse plus. Ouais. Qu'est-ce que ça faisait ça encore? Pompe à eau, château d'eau. Large château d'eau, c'est ce que j'avais moins. On a le large château d'eau, donc on est tranquille. Huiles. Ok. Ok. 4 et 3. Alors, une fois regarder ce que on peut faire avec ça. Ça c'est typiquement pour les granges et tout hein.
Ah, c'est ça. Ça, c'est 3. Et 4. Ah, le 3 est plus sympa. Alors, ça va mettre en 3, ça va mettre en 4, on est parti. Profiter pour un peu de charbon au passage. Si 10 minutes, un quart d'heure, je vais faire une petite pause bouffe. Et puis je reviendrai sans doute plus tard. Ok. Bon. On a l'église. On a le curton. On a le shérif avec la prison. Là, il faudrait faire une extension. On va faire une petite extension mais en diagonale comme ça. Pam, ça peut être sympa. Ça pourrait être sympa. Ça ferait les coins et puis jusqu'ici un truc du style. Là, on fera un truc genre genre diagonale quoi. Un truc genre comme ça. Voilà. Et puis ça partirait comme ça. C'est peut-être un rien trop court. Un truc comme ça. Et puis comme ça quoi. Voilà. Voilà. Et voilà. Là, je laisserai la grande porte pour arriver quoi. Ou alors on fait juste une réserve carrée et on s'en bat les. Quoi, j'ai nouveau pété ma masse? Mais putain, mais ma masse même pas vu ça. Oh la porte! C'est moi. Un outil pour coudre. Est-ce qu'on a ça? Non. Ça, on n'a pas encore fait. Et un outil creusé non plus. Ça, j'ai. Pardon. Allez, on est presque au bout. Ok. 4. Oh, ça fait des belles choses, ça. Pour coudre. Ouais, c'est ça. Jardinière. Poulailler. Enclos à porc. Enclos à vache. Jardinière, ça c'est impeccable, c'est ce qu'il nous faut. Bon après je sais pas ce qu'on peut planter là-dedans hein. Franchement. Alors ici. Bon.
Bim. Donc ça fait 100, 200, 300, 400, 500, 56. Voilà, madame. Bim. Et bim. Voilà. Alors ici, on peut passer à l'arrière. Y a de l'ours. Dit tonnerre, dit tonnerre! Alors, attends, la houlette, la houlette, la houlette! Poulailler. C'est pas une bonne idée, hein. Allez! Bim! Y'a la petite poule! Oh, j'ai pas envie de se casser les poules. On sait pas les tuer là. Voilà. Fini les poules. Ok. Voilà. La poule, c'est bon. La poule est là. Qu'est-ce que j'ai là? Mais. Ok.
quelques plumes d'un oiseau. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Merde, j'ai encore du chose. J'ai encore de la cire. Mais qu'est-ce que cette poule fout là, quoi? Ah, Isra. Arrivo. Donc, moi, ce que je vais faire... Qu'est-ce qui me manque? Soit c'est ça, des planches, soit deux planches, j'éliminerai 4. Oh, ouais, il me manque tout, quoi. Il me manque de tout. Je dois bouffer. Ah, je dois bouffer, oui. Bouffer. En là-bas, hop. Je transporte trop d'objets, ça c'est mon problème. Bam. Alors, ok. Alors, mon truc, hop. Mais qui a un cheval qui s'appelle Bifle? Mais enfin, les enfants, sonnons la cloche. Il est temps de rééduquer ses ouailles. Ok, donc on a fait, là, on a terminé le... Grosso modo, on a terminé l'église, il faudra juste encore trouver un moyen pour arriver tout en haut, là-haut. La yette. Allez poser ce toit. Ah, et sinon, les gars, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose ici. Hein. Il y a un stress là. Là, tout ça. Ah, on peut rien faire, les gars. C'est quoi ça? Poudre à canon. Mais qui est-ce qu'il a été faire la poudre à canon? Une pompe de pluie. Ça je prends. Les ressources de base, quoi. Ça je prends aussi. Je vais les ranger. Ça c'est du sel. J'allais tout ranger dans un endroit un peu correct. Parce que là, si je... J'ai rien bougé, hein. C'est un truc de fou.
c'est vraiment saoulant ce truc. Oups, si t'es là. Je suis en moins 1 en moralité, c'est quoi cette connerie? Bon, je vais ranger mes affaires. Puis je me fais un petit off 2 minutes histoire de manger un petit bout. Et je reviens dès qu'il sera là. Voilà. On va faire un truc comme ça. Alors, ici. Ça, c'est aussi un truc un peu bizarre. Il faut être à une certaine distance, quoi. Bizarre. Moi, je dis bizarre. Vous habitez bizarre. Alors, les lingots. Ça, c'est fait. Lingots, c'est fait. Ici. Bim, ça m'en fait 5. Bon, après. Salut à toi TheBet62, bienvenue, salut Isdra, salut TheBet62, est-ce que tu es un fan de Outlaw? Si tu veux, n'hésite pas à claquer le petit follow, comme ça tu en restes en contact. Yo. Et tu peux voir, mais voilà, mec, qui voit. On a perdu les chevaux de nouveau? On a tout perdu les lingots. Non, les chevaux. Tout, on a tout perdu, ouais. Et pourquoi on a tout perdu? Ah bah écoute, voilà. Et pourquoi non, mais ils sont morts de quoi, tu sais? Ils sont morts de faim. Mais comment? Parce qu'en fait, on s'est pas connecté mardi. Ouais. Enfin, lundi plutôt. Ouais. Et ils sont morts. Putain, mais j'avais un Mustang noir, quoi. Ah ouais, je sais. Mais comment ça se fait? Attends, tu peux laisser quand même le truc, ils meurent pas de faim comme ça en 30 secondes, quoi. Ah ben voilà. La faim, la soif, c'est horrible sur le serveur pour le moment. En tout cas, bonjour à tous, parce que je suis en même temps sur ton live, en fait. Bienvenue à Eubit et Lurx et TheBet. Et TheBet, justement, je me tâte à me le prendre. Quelles sont tes impressions? Ben, ne te tâte plus, ne te tâte plus. Ou alors, tâte-toi une bonne fois et prends-le, quoi. Ouais, TheBet, c'est un très très bon jeu. Je te le conseille, franchement, on est à fond dedans. Bon, après, il faut aimer ce genre de jeu. C'est pas trop un survival pour moi, je trouve. Non, mais c'est un jeu d'ambiance, j'adore. C'est un jeu d'ambiance, voilà, exactement. Tant que j'étais, parce que moi mon jeu a une petite mâche qui traîne oui. Un peu. Eh ben j'allais faire une micro coupure. Okay. Mais voilà. Mais tant que t'es là et que tu passes devant le shérif. Oui. Je trouve que tu as merdé la devanture. Laquelle? Du shérif? Du shérif? Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux ah, faire? Ah non, il faut un truc comme chez moi, tu vois, de façon saloon. Pas cette bête toi. En pente. Oh, moi je peux te faire un truc saloon au-dessus. T'as vu l'église? À part ouais, que quand ouais. Tu rentres, t'as l'impression que t'es dans un temple et que tu vois cramer, mais. Ah non, j'adore le temple, vraiment. Alors, je l'ai dit dans mon live hier, sauf que j'étais en mute pendant une heure, donc j'ai effacé mon live d'hier. Sauf que ton église, c'est une tuerie, j'adore. Attends, TheBet, c'est un multi et un solo. Tu peux le faire en solo, mais en multi, c'est vraiment bon, quoi. Vraiment. Il vaut mieux le faire avec des copains. Ouais. Ou alors tu rejoins la gazo et tu viens jouer avec nous et tu seras le bienvenu. Exactement, on cherche justement un blanchisseur. Oh les gars, direct. Alors par contre, mon petit fric. Oui, deux secondes parce que je suis dans ma fonderie ici. Tu n'es pas dans ta fonderie, tu mens, je suis en live avec toi. Tu mens. Par contre, hier, donc, j'ai acheté la mine. Oui, j'ai vu. Alors, mais il faut des ânes. Alors il faut des ânes, de 1. On va chercher alors, ça. De 2, en fait il faut plein de sous. Est-ce que tu peux faire I en live devant moi sur voilà. I pour ton inventaire. J'ai 26. Non, c'est pas possible. Si, j'ai 20. Mais j'ai pas chassé moi. Moi regarde, j'ai 0 en moralité. Et j'ai 5 plumes. Non, mais vas-y, montre-moi ton inventaire. Attends, mais je viens de te montrer. Décalage, tout ça. Voilà, 12 minutes plus tard. Bienvenue TheBet, welcome. Bien vu, bravo, merci. Alors, oublie pas de faire un saut chez Isra. Ah ouais, tu viens faire le follow chez moi, je commence le live dans 5 minutes à attends, peu près. Attends, tu fais uniquement le follow chez Isdra à partir du moment où ses followers vont faire un follow chez moi. Le salopard. Mon petit TheBet, non mais il faut absolument bourrer les follow chez moi parce que je suis presque à 100. Et à 100, et à 100, et à 100. On le bourre, c'est lui qu'on bourre. Ça va être méga tough, il va y avoir un giveaway, il va y avoir un show pour nous. Pas de soucis, on fait ça. Merci TheBet, c'est cool. C'est cool. Je vais juste te balancer le. Ah, tu balances le lien quand même. Attends, hop, voilà. Hésite pas, le petit Discord. Ah, le Discord. Ah, ouais. Et dès que tu arrives. Ton pote, c'est n'importe quoi ça. Ah, attends, quoi. Mais attends. Chez moi. Voilà. Hein, on peut taper le Discord des potes, c'est n'importe quoi.
Pourquoi il ne met pas... Tu peux me N'importe donner ton quoi. son lien? Mais t'es fou? Mais non! Attends. Alors, mais si, bien sûr que je te le Attends, donne. est-ce, je ne sais plus quel est le lien que j'avais foutu le Alors, truc. ne le claque pas tout de suite parce que je suis pas encore en live. Histoire que tu... Parce que moi, je fais une Ah bah petite attends. danse, je fais plein de choses. Je te donne ça dans 2 secondes. Non, non, mais attends, est-ce que j'ai... Dans deux Parce secondes. qu'en plus, je suis même pas modo chez toi, c'est n'importe quoi. Chez moi? Je parie, je suis pas modo chez toi. Chez moi? Mais si, t'es modo chez Je moi. parie que je Mais peux pas si, mais taper un si. live, un lien comme ça. Bim. Ah si, c'est bon. Mais Ah si, je suis si! modo chez toi. Voilà, Ah tu as voilà. le lien. Je vous laisse 2 petites minutes, madame qui m'appelle. Mais c'est, écoute, c'est pareil. Écoute-moi, moi je me coupe. Enfin oui, maintenant il est en ligne. Je me coupe, je lance mon live et j'arrive dans 3 minutes chrono. 3 minutes chrono, histoire de. On va se mettre bien. Et on va continuer cette aventure Outlaw ensemble. Ah, il faut que j'allume les lumières, moi. Voilà, on va faire ça. Je prépare mon petit live. Tout va bien. Hop, on est plutôt pas mal là. Voilà. Merci The Bet. Eh ben écoute, ouais, ça me ferait super plaisir. Après, tu es le bienvenu dans la Gazo. Tu fais partie de la famille Gazo maintenant. Comme ne te l'a pas dit Frix, tu as accès à le Discord et plein d'autres copains streamers. Parce qu'il n'y a pas que nous. On est loin d'être les meilleurs. On ne se vante pas d'être les meilleurs. Il y en a d'autres. Il y a des potes qui font ça super bien. Franchement. Va les follow, va voir ce qu'ils font, c'est très drôle, on s'amuse bien, c'est une très bonne communauté, tu vois, on s'éclate comme des fous, ça va être génial. Donc, moi, je vous laisse, je lance mon live de mon côté, tu vas pouvoir voir l'intro du live d'Isracua, qui va être terrible, qui va être monumental ce soir. Non, c'est pas vrai, il va pas être mieux que les autres fois, enfin voilà. The Bet, à tout de suite, ciao ciao!
avec mon petit Frix. Bonsoir Frix. Je pense qu'il est au téléphone. Je suis même sûr qu'il est au téléphone parce qu'il vient de me le dire. Il y est en live aussi. N'hésitez pas à aller le voir. Et The Bet qui vient de rejoindre le live. Il était chez Frix il y a 2 minutes. Bienvenue à toi The Bet. Bienvenue dans la gazo. Je sais que tu as claqué le follow chez Frix. Merci à toi. C'est cool de nous soutenir. Donc voilà pour le... pour le coup, bah, tu découvriras qu'on a plusieurs streamers en même temps. Ça va être difficile de nous suivre. Il va falloir faire un choix. Choisis le meilleur. C'est tout ce que j'ai à te dire. Bienvenue en tout cas, The Bet. Re-bienvenue. Voilà. Donc on est de l'autre côté de la barrière. On n'est pas du côté de chez Frix. Et donc voilà. Donc pour récapépète, ma petite Winchester que je me suis fait hier, elle, franchement, il faut que j'aille l'essayer devant vous. Elle est énorme, elle défonce, elle est juste géniale. Et alors la mine, donc on va aller vous montrer la mine tout de suite. Le problème, c'est que on va d'abord prendre les chevaux. J'espère que les chevaux ne sont pas morts parce que on a eu des pertes hier en fait quand je me suis connecté. Voilà, regardez, il reste 3 chevaux. Et c'est non, pas Bourbon. Ah non, ça j'accepte pas. Bourbon, il est pas mort les gars. Il était là hier. Ah, me dis pas que Frix, il a pris Bourbon, parce que sinon, ça va pas aller. Et merci à toi, The Bet, pour le follow. Merci à toi, ça c'est GG. Merci à toi d'avoir follow les 2 chaînes. Arrête de crier, je t'entends jusque dans ma cuisine. C'est super GG. Frix, Bourbon, il peut pas être mort entre hier et aujourd'hui. Pourquoi? Comment ça se fait que Bourbon, maintenant, il est noir et blanc? Mais... J'ai regardé... attends, Bourbon, t'es où? Mais attends, d'abord t'es où? Bah, je suis au cheval. Ah bonjour. Je veux prendre mon cheval était tout noir hier, il est noir et blanc maintenant. Et bah... What the fuck? Non, mais, s'il te plaît, what the fuck? Attends, je vais, il y a un cheval, je vais me l'attraper parce que j'en ai besoin. Alors, je sais qu'hier on avait 10 chevaux ici, je vous assure que l'enclos il était complet, mon petit The Bet, je te promets. Et mon Bourbon il était noir. Pourquoi Bourbon il est noir et blanc ce soir? Why? Frix, explique-moi ça. Je sais pas, attends, je m'achète... C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce jeu. Ça devient n'importe quoi. On se fait des chevaux. Je crois qu'il y a des petits bugs de fou. Ah ouais, ouais. Non mais bon, on perd des chevaux pour la nourriture. Je veux bien, je re à tous les copains. Ok, okay, à tout de suite, c'est bon. Bête, merci. Salut, re-mortality. Salut. Mortality. Allez, je vais pas le louper. Mortality, Mortality. Petit... Oh, 9 téléspectateurs. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce chat? C'est la folie. C'est pas la folie, je ne m'en sortirai plus. Il y a ce pet, il se draille, Mortality. Passez-moi un carnet que je puisse noter qui est là. Il y en a que 3, hein. Il y en a 3. Carnet directement. Il y en a que 3 que j'ai vu. Hein. Alors ouais, les autres, à moins que ce soit des bots. Oui, à part, le reste c'est des bottes. Non, le reste c'est des bottes. Parce que... Non, les bottes elles sont à mon pied. Oh, les bottes de coco, ouais. Coucou ma petite Nelim, comment tu vas? Coucou mon Nelim. Qui c'est Donc, moi je comprends pas pourquoi Bourbon est devenu noir et blanc d'hier à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Why? C'était resté trop au soleil. Non, mais t'as retamé un cheval que t'as rappelé Bourbon. Non, mais. Ça fait 2 jours que je me connecte pas, je suis chez madame. Nommez votre monture. Regarde-moi ça. Et toi, t'as un cheval blanc. J'ai un Mustang, je te signale. Qu'est-ce qui se passe avec ces chevaux? C'est n'importe quoi. Ça va, ma petite Nelly. Écoute, le seul problème, c'est que nos chevaux changent de couleur. Mais c'est pas très grave. Bourbon est toujours bourré. Je crois qu'en fait, c'est juste ça, en fait. Voilà, moi, problème de foi. Moi, je suis sur Napoléon. Mon petit Frix. Oui. Frix, je viens de... J'ai vu où était ta mine. J'ai vu ta mine. Non, j'ai quand même découvert... Je vais quand même expliquer. J'ai quand même découvert quelques trucs hier. C'est-à-dire que dans ton inventaire, tu as un nombre de dollars. En bas à gauche. En bas à gauche, 93 demain. Il y a un peintre sauvage qui passe la nuit quand vous êtes déco. Ça doit être ça. Un peintre sauvage et le reste? Un peintre au Tipex, tu vois. Il doit se mettre... Enfin bon, bref. Mm-hmm. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, on a des sous. D'accord? En dollars canadiens. Et avec ça, tu peux acheter la mine, le machin, le truc. Donc hier, en fait, j'ai été farmer des bandits. J'ai été tuer des bandits. Bien, on y va alors. De l'argent. Non, je me suis acheté la mine. Donc je vais les montrer la mine parce que hier, je rappelle que j'ai fait un stream en mute. Que j'ai effacé directement parce que j'avais la... Oh, c'est ça que je l'ai pas vu. Ah, complètement. Oh, voilà, j'ai quand même acheté la mine hier. Il faut des ânes.
avec mes tissus. Par contre, pour le faire tourner, il faut un petit âne. Donc on va aller chercher un âne. Est-ce que tu sais où ça se trouve ou pas? Dans le désert. Mais non, non, là on a eu du cul pour trouver un âne. C'est mais... dans le désert, les ânes c'est dans le désert, je te promets. Donc, il faut qu'on fasse une virée dans, dans le désert. On va s'équiper, j'ai fait plein de balles aussi hier. Ah oui, ça j'ai besoin. Ah bah écoute, j'ai plein de balles. J'ai changé l'arrière de l'église, je sais pas si t'as vu. Oui, t'as changé aussi l'arrière de Bourbon, j'aime pas trop en fait. je te déteste. Et donc... Non, on va prendre quelques balles, il y en avait ici je pense. Il faut des marches ici, c'est chiant. Ce toit d'église est juste dégueulasse quoi. Le toit d'église est dégueulasse. J'ai des balles de fusil, je vais en prendre 10. Est-ce que tu en as? Oui, je vais même en prendre 5 parce que j'en ai 12. Oh, j'ai un petit lag moi. Yeah. J'en ai plus que ça. Oh non, 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 j'en ai tellement, j'en ai 30. Prends les 15 qui sont là. Et j'ai pas de balles de fusil. Est-ce que je peux le faire encore? Attends, il y a de la poudre quelque part. Ouais, j'avais rangé de la poudre ici. Voilà, on va vite faire quelques balles de Winchester. J'en déduis, Hydra, que tu as pas lu le Discord. Non, désolé. Hello. T'es là à 21h, on a une petite réunion. Salut mon petit Oups. Ah, j'ai pas vu la réunion. Ah non, les gars, sérieux, il y a une réunion. J'ai pas vu la réunion. après, on ne l'aura pas pour longtemps, en pire. Hein, donc, C'est ce soir la réunion. Bien joué. Bien joué, mais j'ai pas vu. En même temps, on a prévenu aujourd'hui, hein, donc. Ah bah ouais, bah écoute, hein. On avait prévenu hier pour qu'il y ait une réunion aujourd'hui. Ah. Oh, ouais, voilà, voilà, voilà. Ça c'est les potos quoi. Bon, moi je vais dans le désert. Je vais dans le désert. Vraiment faire ça. Est-ce que vous pouvez pas me faire un petit débrief après, genre, on sait que ça se fait la date qu'on a dit. Avec les jeux. Justement, on va voir avec tout ça en fait. Hein, ah, ok. Oh, si j'avais lu. Après, comme je te dis, au pire des cas, tu peux toujours rester sur ton stream et venir seulement en vocal avec nous. Tu seras juste pas en vocal avec Trix, c'est le temps de faire ça. Quoi. Oui, mais bon, après, je vais pas non plus tout dévoiler. Après, c'était pour discuter des détails, se mettre d'accord. Mais oui, mais j'avais pas vu une petite ligne. Je suis tellement mauvais. Oui. Et ce qui est là, en plus. Je suis tellement mauvais. Le mec qui regarde pas le Discord, il se connecte au Discord, il voit qu'il y a des trucs où c'est marqué 1-1-1 et tout ça, où ça a été marqué pendant qu'il était pas con, mais il est pas. Non, mais vous envoyez tellement de conneries à la minute qu'il y a des moments où on lui pue. Amène-toi aussi. Amène-toi, on va dans le désert. Ouais, le désert. Mais tu veux pas te faire des balles avant? On s'en fout. Quoi? Qu'est-ce qu'il te faut pour les balles? Non, c'est bon. Allez, viens, on y va au pistolet, on va dans le désert. Non, mais moi je veux bien faire des balles, mais tu me dis ce qu'il faut alors. Ça va être notre faute. Non, Nelim, je te promets, c'est ma faute. Donc il est 55, on a 5 minutes pour aller chercher un mulet. Après je fais une pause, réunion. viens mon fric, on va dans le désert, 5 minutes, on ramène un baudet. Mais je suis déjà par là hein. Meilleur au pire des coques, quand vous allez ramener le poney et tout ça, tu nous rejoins, tu verras bien comment tu fais quoi. C'est par ici hein. Ouais. Mais écoute, je vous rejoins, c'est promis. Je fais une pause live. Attention vision. Oh bison. Mais je vais aller rejoindre Soïc, je vois que Soïc est déjà... Ah bah écoutez, je vous rejoins dans 5 minutes. Bon, vous avez besoin de moi ou pas? Est-ce que tu es un streamer pour le tournoi qu'on prépare? Ouais, si tu veux, je stream tout ce que tu veux. Ça se prend des loups. Non. Mais là, je stream les loups. Non, mais Israël peut prendre le lead là-dessus, hein. C'est bon. T'inquiète, je prends le lead là-dessus, je le brieferai après. Non, y'a pas de soucis. De toute façon, c'est pas Bye. Moi, je l'ai dans mon équipe, c'est un peu un handicap plus qu'autre chose, tu vois. Je sais que le tournoi va être complètement dépendant de la présence de toute manière, s'il est dans ton équipe, voilà, c'est tout. Donc, il a pas à venir pour la réunion. Tous les leaders qui viennent, c'est tout, bonheur. Au cas où, je suis là. Oups, oublie pas que j'ai la main sur le Discord. Tu pourrais tout d'un coup être muté. Et toi, tu n'oublies pas que j'ai la main sur beaucoup de Discord. ça on sait que t'as la main sur plein de choses. Retire-la d'ailleurs, parce que c'est assez désagréable. Non mais les copains, je vous promets, on l'a fait vite fait. Alors je ferai une pause live et je où tu vas où tu vas, mon petit Hydra? On va désolé, mais c'est plus par là, mec. C'est plus vers la gauche. Bah allez, je rejoins. D'accord, à tout. Et Nelim, promis, j'arrive. Ah ouais, le Mustang il trace. Ah ouais, non, le Mustang il trace, hein. Quoi? Le Mustang il trace plus vite que les.
Mais il s'épuise vite. Remplacé Bourbon, qui tu l'as remplacé par quoi? Je voudrais savoir. J'ai rien remplacé, je suis arrivé, j'ai perdu tous mes chevaux, j'en avais 5 quoi. Je voudrais comprendre. On trace tout droit là et on y est. Maintenant, est-ce que. Tu vois, est-ce que c'est comme dans Ark, hein, plus tu as de bestioles, plus elles consomment, donc plus ton eau disparaît, plus tu as besoin d'être là pour remettre de l'eau. Mais non, mais ça, je conçois bien qu'elle meurt, ça y est, pas de souci. Un troupeau à droite. Mais par contre, qu'elle change de couleur, ça c'est moyen. Ça c'est spécial. Tu crois, Bourbon, il était blanc. Attends, là-bas, il y a un cheval, là. C'est, on fait quoi avec ouais, ça? C'est un cheval, on s'en fout. C'est pas un mutant. Il faut un mulet, d'office, on s'en fout. Mais mon mulet. Ah non, mon là. Et en tout cas, merci à The Bet qui a claqué le follow sur les deux chaînes. À ouh, lui, merci The Bet. Merci. Merci à toi, ça c'est top. Et Mortality, est-ce que tu as testé Mortal Kombat? Est-ce que tu as testé de claquer le petit follow chez Hydra? Ça pas encore, hein, je pense pas. Parce que là, tu viens de perdre la 90e place. Non, non, attends la 100e. Avant les 100. Non, il attend la 100e Mortality, je le sens. Je sens que ça va être le. Ça va être le 100e follower, je le sens. Bon, qu'est-ce que t'offres pour le 100e follow que je défollow et que je refollow à temps? Ah non, ça marchera pas comme ça parce que ça marche pas pour les copains. j'ai une belle offre pour le 100e. J'ai une belle offre. J'ai quelque chose sur le coude là, ça va être bon. Et d'ailleurs, si elle m'écoute en replay, Sticket, qui est la première. Oh putain! Quoi? Putain! Ticket de chute moyen. Bah, mais je suis tombé de la colline, simplement. Bah, j'étais tout droit. Oh putain. Bourbon, il est bourré, il s'est pris, je sais pas, un tir de chute, c'est bon. Attends, parce que j'ai un souci, je suis coincé. Il y a Napoléon qui fait son. Mais donc, je vais devoir faire ce petit AFK réunion. Donc, je vous rappelle qu'on a un tournoi qui va arriver, je vous dis pas encore la date parce que. Ça risque encore de changer. Et je l'ai paumé maintenant. Ça y est, je l'ai paumé. J'ai paumé, Isra. Mais j'ai continué tout droit, mec. Ouais, mais tu m'attends pas. Non, je te. T'es nouveau en train de tracer. Oui, j'ai tracé sur mon. Je suis à l'arcade. Ah non, j'étais là-bas. Putain, oh là là, mec. T'as tracé comme un porc. Ah oui. Oh, pardon, on s'est collé. Je t'en prie. C'est dommage qu'on puisse pas faire suivre. Ah oui, de fait, ça pourrait être cool ça. Ouais. Attends, je vais reprendre ma stam avec mon cheval. Ah ici, il faut faire gaffe à pas tomber. Ouais, bah tu sais, franchement. avec ce que je me suis pris. Bon. Je vois rien, hein. Y a pas de mulet. Hein. Non, mais je suis pas sûr que ce soit dans le désert, hein, les mulets. Si. T'as vu ça où c'est ton frère encore. Non, je suis. Putain, il prend cher, Bourbon. Il prend très cher. Alors, vas-y, ici, y a une oasis. Ouais. Bah c'était là où on avait eu le précédent, je pense. Plus à droite, ouais. Celle-ci ou plus à droite, ouais. Il me semble que c'était plus à droite. Par contre, du coton, ça serait cool aussi d'en trouver. Ouais, j'ai une moufette là, ici. J'avoue. Oh, y'a rien, hein. Y'a la queue. Non, attends, je vais boire ici. Bon, écoute, moi en attendant, je prends quand même le métal. Hein. Oui. Tant qu'à venir. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même jouer en. Je vais jouer en off en fait, tu vois. Oh. Ouais. Je vais juste quitter le Discord. Ah oui, mais non, alors du coup, ça n'ira pas. Attends, parce que j'ai un problème d'éclairage. Ouais. Je vais quand même aller vite fait à cette réunion. Voilà. Est-ce que tu crois que je peux déco comme ça en toute liberté? Non. En toute liberté? Oui, tu peux déco, hein, tu disparais. Et moi, pendant ce temps-là, je chercherai un petit mulet. Oui, mais mon cheval restait là. Ouais. Ouais. Tu le mets en follow? Ouais, je peux le mettre en follow, mais je suis pas sûr de. Bah non, sinon, rentre, c'est bon, moi je vais prendre. Ou tu peux jouer en off, non?
Ouais, limite je joue en off. Je vais faire une petite interruption du live. Je vais jouer en off et je vais partir sur le channel de la Réunion. Que j'ai loupé, bravo Isra. Chapeau. Ça c'est on dirait moi au taf. On va faire ça. Donc, petite pause du live, je suis désolé. Du coup, on se retrouve dans... Allez, dès que c'est fini, je vous promets que je vous retrouve. On va se retrouver dès que c'est fini, ok. Ah, dans une heure. Ah non, mais non, mais non, mais non, mais j'espère que ça va pas partir en vrille cette réunion. Donc, je file à ma réunion, je reviens, je relance le live. Bon, revenez chez moi, revenez sur mon channel en attendant. Revenez chez Fritz, parce qu'on y sera, d'accord. Ciao, ciao, à tout de suite. Donc voilà, attends, fin du stream. Mais t'es en live chez moi, hein, mon papoule. Je t'entends. Je suis en live chez toi, mais par contre, je vais changer de channel et je vais aller dans le channel discussion. On s'entendra plus, mais je vais te suivre. Ça va? Ok. Reviens en vue, parce que je sais pas où t'es. Bah, je suis reviens là. En vue, que je... Mais ouais, mais je bah, suis je là, suis ça là. Veut rien dire. Déjà, quand on est ensemble, c'est pas. Je sais pas où t'es. Mais à peu près. Ouais, mais là t'as laissé le cheval, t'as laissé ton cheval tranquille. Non, non, j'ai pas d'écho, mec. Je continue de jouer. Mais ok, je d'accord. Je voulais savoir où t'es. Eh ben, voilà. Je attends, je te vois. Là, je quitte le channel, comme ça vous m'entendrez plus. Ok. On cherche un âne. À la limite, tu l'attraperas. Et j'essaie de te suivre au maximum, d'accord. Eh ben, ok. À tout de suite. Ciao. Bon, en attendant, hop, voilà, il est parti, il est là, il est... Bon, allez, c'est parti, on va chercher un âne. Même si j'en ai déjà un derrière moi. Ah, mais ça va être de la folie, hein, trouver quelque chose ici. C'est pas possible, quoi. Il est pas du tout en follow, hein. Ah si, il est là-bas, tout en haut. Ouais, c'est parti. Je vais juste voir... Est-ce que The Bet est Mortality? Mortality. Est-ce que tu es déjà sur notre Discord? Non, pas encore. Alors, hop. Ça, je vais enlever. Hop. Où est-ce qu'il est? Hop. J'ai juste une petite image à mettre. Voilà, ça c'est fait. Et revenir sur... Voilà. Alors, où qu'il est mon petit Isra? Faut pas que je le paume. Il doit être là-bas quelque part. Là-bas. Jack Bishop Daniels. Mais ma poule, prends le métal aussi. Je sais pas s'il s'est mis en follow, si c'est possible ou pas, mais... Ok. Bon, le but étant de trouver ce foutu âne qui va nous permettre de descendre dans la mine, je pense. Ou de remonter, ou d'automatiser la mine, je sais pas. Bon, là... Là, je veux dire, on a du désert, quoi. Là, on a trouvé l'âne. On a l'âne.
Putain, ces herbes qui coincent. Bon, allez, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Allez. Allez, viens ici. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il suit? Petit poney! Petit poney! C'est bon ça. Ah, bien ça, The Bet! Nickel ça. Alors le plus pénible c'est ramener l'âne quoi. Ah mais j'ai la dalle. En plus, il va commencer à faire noir, on verra plus rien. Dans le désert, c'est une catastrophe. Ouais, petite âne. Alors, rien de tel qu'un bon petit café, quoi. Oh, le niveau 4, ma monture! Ouais, petit poney! Petit poney, petit poney! Oh, le petit bug de... Le petit bug graphique là. Surtout pas le coincer, hein. C'est...
On va aller par là. On va suivre la ligne bleue. Mais qu'est-ce que c'est con, un petit poney? Ouais, trace poney. Voilà, ça c'est fait. Ok, il arrive. Tiens, by the way, The Bet, on t'a pas demandé, tu es de quel coin? Dis-nous tout, 30 minutes de téléchargement, nickel! T'as une bonne cote, t'as une fibre. Ouais, ils rappellent tout pinou cette petite réunion. Et puis on va tracer à gauche, comme ça on arrive directement par les mines, on est tranquille. VTSL 600 mégas. Oh bah c'est déjà pas mal. Ah, il fait du dos alors, hein, ce poney. degrés Fahrenheit. Il fait un peu chaud quand même, hein. Ça veut dire combien, ça? Un peu moins la moitié? Je sais plus combien c'est le Fahrenheit. Est-ce qu'il va savoir monter par ici? Est-ce qu'il s'est passé par ici, le petit poney? Il va falloir faire le tour. Wouhou! Yeah!
Alors je ne sais pas si quelqu'un sait, mais ces tempêtes de sable, je sais pas à quoi ça sert. Ça fait pas mal en fait, c'est ça qui est dingue. Petit poney, petit poney! Merde, mais ça devient chaud par ici. On essaie de monter par là, mais... C'est monté quand même par ici, petit poney. Ouais, ça monte, hein. Ça monte un poney. Oh putain, mais c'est pas possible, il se coince tout le temps ce poney. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout ce poney? Allez, sans deck. Ah, par ici, petit poney. Viens, ma poule. Viens chez papa. Allez, j'ai paumé mon canasson maintenant, bordel, il est où? Là-bas en haut. Ouais.
Ça a l'air de passer par ici. On est où? Ok, on est là-bas. Ouais, j'ai décidé de faire un petit crochet parce que j'ai envie de voir du terrain en fait. J'ai envie de voir comment se trouve le terrain par ici, mais il est un peu cabossé quoi. C'est un peu chaud-boulette. Ouais, est-ce qu'il est bichon? Est-ce qu'ici? Oh, c'est cadichon, il suit. Ok, jusque là, ça tient la route. Allez hop, cadichon, viens me rejoindre. Elle a pas envie de bouger. Ah, je voudrais bien essayer de trouver des moutons aussi. Ouh, ça je ramasse. Ça y a la masse.
Oh, désolé, hein, je suis un peu off là, mais le trajet est un peu long. Là, on s'est fait. On s'est fait un âne en fait qui traînait quelque part. Sorry, il y a madame en même temps qui est sur la ligne là, ça va plus. Oh là là, j'ai eu un coup de fatigue là. On est sur la map. Est-ce que tout le monde suit bien, ouais. Quand on me pose des questions comme ça. Alors là, il va y avoir un petit souci. Il va y avoir un petit souci. Alors, bon. Trouver un endroit où on peut passer. On va essayer de monter. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que l'âne et les deux chevaux suivent? Alors on a un cheval. Et de là, ok. Il m'en manque un. Il m'en manque un de nouveau. Putain. Oh mais, oh mais ces blocages à la con. Où est mon âne maintenant? Il y a un âne brun qui déconne. Ok, il est là. Ah mais c'est glitch de la mort quoi. Allez venez, on y est presque. C'est quoi ce trajet de ouf? Ok. Alors on est où? Ok, bah, c'est par là, c'est bien, c'est tout droit. Punaise, mais c'est quoi ce trajet de dingue? Oh mais putain mais... Hé hey, les gars! Je crois que je vais envoyer un message au producteur là, pour leur demander si on s'est pas participé au debugging de leur application, parce que là ça devient vraiment c'est exagéré quoi.
j'espère qu'ils vont pouvoir passer là. Normalement, ça passe. Ok, en file indienne, les loulous. Ichpin, le roi du Far West. Voilà. Ouais, je parie qu'il est en train de se dire que je ramène toute la map. Ce qui est pas faux. On part à 2, on revient à 7. Ouh! Oh putain! On est à 6. Si on pouvait ramener des vaches comme ça, ce serait cool. Voilà, c'est passé. Oh punaise. Ouais, le détour de fou quoi. On va passer par la plane hein, parce que j'ai pas fort envie de les coincer. Et mon truc a gagné. Il me manque un poney, putain. Il m'en manque un. Ce con m'a pas suffi. Yo! Ah bah là voilà! Il est de retour! Oh, mais... Eh ça va, on ramène un troupeau ou quoi?
Mais oui, mais t'as vu, j'ai géré quand même. Très bien. Tu vois, prise de décision, tout ça, c'est pas évident. Du coup, je vais relancer mon live assez vite. On est bientôt à la maison là, quand même. Bah, j'espère, punaise, t'as vu le détour ou quoi? Mais oui, mais pourquoi t'as fait ce chemin là? Je comprenais pas. Bah, comme ça, on voit un peu de paysage. On piche avec, il y avait des ânes à ramasser par là, il y en avait un sur la route. Ah ouais, non, mais c'est... t'en as eu deux là, non? Ouais, il y en a deux. Y en a deux. Okay. Ce qui est marrant, c'est que ça s'appelle âne, et puis quand tu. Quand tu les. Non, quand tu les vis, ça s'appelle poney, quand tu les tames, ça s'appelle âne, et quand tu les as, ça s'appelle donkey. Donkey, bah oui. Donc une fois c'est en anglais, une fois c'est en. T'es toujours en live, mon cochon? Oui. Ok, moi par contre, je vais un peu speeder vers la maison. Vas-y, normalement, c'est bon. Petit AFK, et c'est un peu à gauche hein, quand même. Ouais, mais je suis la flèche. Ok. Je vais vite à la maison, je fais un petit AFK, je relance mon live. D'accord? Ouais, ok, on t'attend. On va faire comme ça. Donc je bourre et à tout de suite. Bon là il va falloir que on regarde un peu où on est. On y est presque. Il bourre presque aussi autant que moi. Ouais, mais j'ai killé un bandit. C'est gentil. Voilà, on est à la maison, y a rien entre toi et la maison. Ok, pardon. C'est bon. Ah, j'ai gagné 20 balles. Je devrais quand même 272. Alors, donc ce que je voulais t'expliquer tout à l'heure, comme ça j'explique quand même. Oh, y a une poule en dehors. Ah ouais, c'est moi. Ouais, c'est barré sans doute. Alors, en fait, c'est que ton argent, tu dois la déposer à la banque dans le coffre. Ouais. Tu peux déposer ton argent dans le coffre parce que quand tu meurs, tu perds ton argent. Ah merde. D'accord. Ah ouais. Donc en fait, ton argent, tu dois vraiment le mettre en dépôt. Donc, je me fais une petite pause ici. Je reviens tout de suite. Et je lance le live. Ok, à toute. Alors voilà. Alors on va déjà les laisser ici. En attendant. Ah, il y a les biquilles. Voilà. Alors, hop. Napoléon, il va rester ici. On va aller avec Petit Poney. Ah, mais on s'est pas boosté avec Petit Poney d'office... C'est de la merde. C'est de la merde, les petits poneys. Oui, voilà, je l'ai et je. Et alors, on la troche comment?
Ok. Il faut peut-être se mettre un peu plus proche. Hein, ou par l'autre côté peut-être. Et j'avoue que je n'ai jamais utilisé ça, donc je serais même pas à dire comment on peut faire. Connecter LAN à l'arbre de puissance. D'accord. Mmh. D'accord. Comment faire ? Connecter LAN à l'arbre de puissance. Oui, bah j'y suis. L'arbre de puissance, je suis trop fort. Comment faire ? Comment dire comment faire ? Bon. Alors. On va aller voir ça tout de suite. Alors, on va faire YouTube. Alors, Outlaws. Connecté. Anne. Arbre puissance. Ouais, ok. D'accord. Donkey mine. World is mine. How to mine and tame a donkey. Ah voilà. On va regarder ça vite fait. Je me mets en off 2 minutes. On y est enfin. Désolé, la réunion a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Mais voilà, level up pour The Bet en même temps. J'ai à toi. On est dans la merde. Frix, qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas connecter le donkey. Monsieur. J'arrive. Alors, je suis descendu de la grange un peu vite. Attends. Parce qu'il veut pas laisser ça en vue, voilà. C'est bon, moi j'ai soif. Et ils ont fait quoi avec la bouffe, bordel ? Ah, je sais pas, c'est horrible. Hein. C'est juste démentiel, quoi. Tu bouffes, mais... Les chevaux, ils meurent, mais en boucle, hein. C'est un truc... Donc, voilà. Donc, retour au live. Grosse discussion, parce qu'on vient d'ouvrir... le tournoi Overwatch à Etestus aussi qui nous rejoindra, c'est super. Ah, c'est cool ça. C'est plutôt pas mal. Donc on est actuellement 5 communes à jouer à ce tournoi. Alors je vous l'annonce déjà ici, il aura lieu le 10 mai. Le 10 mai. Mais. Et donc voilà, vous en saurez un peu plus plus tard, parce qu'il y aura des annonces sur les Discord et tout ça. Donc, alors pourquoi ça marche pas ? Mais je ne sais pas, je me mets ici. Alors, accrocher le LAN, le foutu AN à la con, le chi. A mon avis, il faut peut-être un chose. Il faut peut-être un harnais. Alors, un harnais. Tu vois ? Connecter LAN à un arme de puissance. Ouais. Est-ce qu'il faudrait pas un harnais ? Un truc spécifique. Attends, on va aller voir.
qu'est-ce qu'ils ont comme... Attends, je vais les voir direct. Je vais, ouais, faire un petit truc pour son dos là. Il y a pas un truc pour les ânes, les harnais? Regarde un peu les harnais. Par contre, je vais aller, j'apporte les chevaux au centre-ville. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux faire un tour de nourriture? Et là, il faudrait absolument qu'on fasse un petit jardin pour avoir des... La bouffe. Non, non, mais pour qu'on puisse ouais, leur mettre de la bouffe en permanence, parce que ça devient n'importe quoi. Alors, la selle, c'est là. Qu'est-ce que j'ai? Celle de cheval. D'arçon? Non, non, j'ai celle de cheval 1 à 6. J'ai pas de celle de donkey. Et y'a rien dans les autres, tu vois Non, non. Dans les établis, dans... Non, non. Et l'âne, il est toujours là-haut? Ouais, ouais, je l'ai mis en resté, hein, devant le truc. Attends, je vais aller revoir ça, parce que... Non, va voir, parce que ça me semble bizarre, il doit y avoir un truc. Au pire, je vais faire un coup sur YouTube, hein, mais je vais voir, mais ce serait étonnant. Non, ça m'étonnerait aussi. Il faut le mettre encore plus près. En fait, ouais, j'ai connecté l'âne à machin, mais pourquoi j'ai pas l'action? Attends, si je suis sur l'âne... Mais laisse tomber, il meurt de soif, un truc de fou. Ouais, ouais, tu peux les abreuver tous, s'il te plaît. Et pourquoi j'ai pas le E Ah, mais c'est peut-être parce que c'est le tien. Levez-le pour Nelim. Nelim, qui est là. Bienvenue, Nelim. Salut, Nelim. Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Tu peux pas venir voir... Non, tu vois, moi, je monte dessus automatiquement. Si tu reviens... Enfin, nourris-les, d'abord. Attends deux secondes, je vais mettre devant ton truc. Ouais, ouais. Hop, bim. Ouais. J'ouvre la porte à toutes les fenêtres. Attachez l'âne. Voilà. Tu l'as eu? Et comment t'as eu? Comment t'as fait? Alors en fait j'ai cliqué sur la grande roue et l'âne maintenant il tourne. Ah, il faut que partir de la roue, ok. Ouais ouais, alors il tourne et alors tu fais attacher l'âne et c'est bon. Donc l'âne maintenant il tourne. Ouais, ok, d'accord. Appuie sur E pour rentrer dans la mine. Attends, mais attends, j'arrive, ouais, pars pas tout seul. Non, non, attends-moi, je vais aller chercher des... Je vais rentrer Bourbon. Mais non, on va le laisser. Une grande pioche. Non, je vais aller... Non, attends, je vais aller chercher une grande pioche. Attends-moi avant de rentrer. Bah oui, je t'attends en haut. Ah, tu prends quand même ton cheval, tu le laisses là-haut? Ouais, moi je le laisse là-haut, ouais. Ok. Bah, pas très grave. Ouais, non, ouais, ce serait... Enfin, de toute façon, Bourbon n'est plus noir, donc je peux le perdre. C'est pas très grave, non, j'avais rangé ça. Attends, par contre, je vais charger mon cheval avec toute ma merde. Comme on dit dans le... J'ai quand même 215 métaux, quoi. Oh, les rollbacks, laisse tomber. Bim, ok. Non, mais c'est une expression dans le Vercors, je vais laisser toute ma merde. Par contre, tes chevaux, t'as pas envie de les rentrer dans l'enclos? Bah écoute, je savais pas comment tu veux les traiter, donc laisse-les là pour l'instant, on va les reprendre après. Mais non, mais c'est con, s'il y a un ours. Eh viens, mais non, y'a pas d'ours qui part, s'il y a rien. Allez, bah, bien sûr que si, attends, on serait con de perdre un autre âne. Il suffit de les rentrer, il suffit de les avancer. Par contre, l'âne, il est un peu dans le sol, quoi. Ouais, j'ai remarqué qu'il a un peu les genoux qui raclent, mais c'est pas très grave. Hein. On va perdre une moitié d'âne. Et alors, là, il faut savoir que c'est 500 dollars et c'est la mine T1. Ça va jusqu'à T3, qui est à 1000$ si je me souviens bien. Donc la T2 est à 750 et la T3 est à peu près 1000$ si je me souviens bien. Bon, t'arrives ? Mais là, c'est la première mine, donc ça veut dire qu'on n'aura pas non plus. À mon avis, ce sera pas Byzance non plus. Quoi. Non, mais bon, d'un autre côté, ça sera peut-être mieux que d'aller farmer un peu à gauche à droite, quoi. On va voir, on va découvrir. Et si ça se trouve, il y a des choses dedans, donc on va peut-être monter. Oui, fais gaffe, il y a des cowboys dedans. Non. Si, je te le dis. Ok. Donc j'ai des balles, ça va. Je recharge mes balles. Attends, je regarde combien il me reste. Tu m'attends en bas? Ok, allez, on y va. Ouais, allez, c'est parti. Ah, c'est parti. Entrez dans la mine. C'est ça, ça me rappelle vaguement quelque chose. Ouais, c'est sympa, par contre il fait sombre. Ok, il y a déjà... Ah ouais, d'entrée... Ouh, t'as pensé à prendre la lumière? Oula. Attends, t'es où? Ah, t'es là-bas. Par contre, ça marche pas. Ah, si, voilà. Merde! Ah, mais tu me tapes, mec! Mais recule! Mais laisse-moi passer! Pourquoi tu viens sur moi? Parce que je vais plus loin, moi!
Oh, de l'or, mec. Oh, je mine de l'or. Ouais, non, ça va être très bon, ça. Donc, à la limite, on sait déjà ici. Oh, laisse tomber. On a déjà vu ce qu'on avait. Ouais, c'est bon. Oh, la pierre, de l'or, de l'argent. Oh. Ah, moi, j'ai pas tout ça. T'as pris quelle pioche? La grosse. Ouais, moi aussi. Là, je me fais de la pierre, mais... J'ai que de la pierre et du fer. Ah, moi, j'ai eu de l'or, là. Ouais, mais t'as fait d'autres... Oh, mais non, là, c'est des... Viens ici, ah, c'est oui, de l'or, c'est de l'or. Viens, 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 c'est de l'or. Complètement, ouais, minerai d'or. Oh là 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 là. En fait, ça dépend des... Il faut prendre que les bons... Tu prends pas... Prends à droite, prends à droite, prends à droite. Pourquoi pas tout? Non, non, mais je veux dire, il y en a qui c'est de la pierre, on s'en fout. Ah, ouais, ouais, ouais. Et alors, ma question, c'est que l'or, donc en fait les lingots d'or qu'on a en banque, on en a 50 et quelques, doivent pouvoir s'échanger à un moment ou un autre par de l'argent, des dollars. Des dollars. Mais le problème, c'est que je vois pas comment. Alors ça doit être sans doute le banquier. Oui, il faut me semble la banque. Que le copain, oups, il avait acheté un banquier. Non mais il faut la banque. Oui, mais est-ce qu'il avait pas acheté de la banque? C'est possible. Bon, c'est bizarre ici, hein. Ah ouais, ouais, non, mais ça, il fallait tellement la mine. Ce qui est cool, c'est qu'on peut descendre ensemble, quoi. Ah ouais, ouais, c'est complètement instancié, c'est génial. Bon, je te laisse ce paquet ici, je vais plus loin. T'es remé au cas où? Ouais. Quoi? Salut, oh, oh mec. Oui, c'est la banque, c'est la banque. Mec, il a la banque pour les lingots. Ah bah écoute... De l'argent. Faudrait que tu viennes l'installer assez vite parce que là pour l'instant on est en train de se faire blander de pognon, mon pote. Y'a des filons d'argent, mec. On va vite avoir le chemin de fer et tout le bordel parce qu'il va falloir qu'on construise tout. Y'a pas des wagons? Alors si, y'a des wagons sur la mine T3 et qui ne servent pas, c'est juste visible. Ah, déco, quoi. Alors je pars à droite, tu pars à gauche? Non, il voudrait qu'on reste groupé parce que s'il y a des ennemis, on va juste se faire défoncer. Oh, y'a des ennemis d'ailleurs, là. Bouge pas, y'en a un. Oh, bouge pas. Je bouge pas. C'est quoi ce mec? Il est juste il crève pas. Il a pas envie. Ils sont deux. Ah non, il crève pas, je confirme. On se casse. On se replie. Back. Je recherche sans arrêt mais il crève pas ces mecs. Suite gauche, hein. Je sais pas, là, c'est devant moi. Mec. C'est quoi ces monstres? Vas-y, recharge. Ils sont sérieux là? Ah, je tire dans les couilles, oh. Même. Non, tu vas toucher moi. Casse-toi. Je savais que ça allait foirer un moment. Les chutes, les enfants, j'arrive. Back. Le shérif arrive. Ouais, tu l'as eu. Yes. Attention, ce qu'il y en a un autre. Le shérif arrive, il va mettre une petite branlée au. Je recharge. Vas-y. Oh, je bug. Je recharge. Oh, bah, je bug. T'as pris quelque chose sur lui? Je sais pas, j'ai pas regardé. Ah putain, j'ai une mise à jour. Oh, ouais, les petites. Ouais! Les gars, recharge. J'ai plus de mun. J'ai plus de balles. Recule, mec, j'ai plus de balles. J'ai plus rien. Non, attends, j'ai des flèches. Laisse-moi faire. Non, recule. Ouais, vas-y, loot-le. J'ai eu autre. T'as quoi? D'or et de la monnaie. Ok, il n'y a pas grand-chose. Mais par contre, sans munitions, il faut rentrer armé ici. Hein. Ah ouais, là, Mineur fou, il s'appelle. Ouais, mineur fou, ouais. Ah, 240, ça va. On remonterait pas tout doucement avec ce qu'on a déjà. Bah attends, on prend ici, il y a encore. On prend là, ouais. Les prochains, dès qu'on les voit, on sort. Bon. Ouais, parce que là, on les aura pas. Je te le dis, moi j'ai des flèches. Ah, il faut faire masse munitions, hein. Mais par contre, qu'est-ce que ça loot, dit? Oh, laisse tomber. Ouais, j'avoue. Et ça donne des minerais au moins? Oh, ouais, à fond. Ah, oh, ici, mec. C'est bizant. Et ça donne de l'argent, de l'or, enfin y'a tout quoi. C'est la T2 ou c'est la T1 que vous avez fait? C'est la T1. T1. Ah, il aurait fallu faire la T2. Ouais, oui, bah... mais j'avais pas assez d'or, j'ai tout fait tout seul.
Viens parce qu'on va se perdre aussi, hein. Il faut pas qu'on perde le... La sortie. La sortie, mec. Non, non, bon, ça va, c'est bon. 3 heures dans la mine. Non, mais sois pas greedy, mec. Sérieux, c'est un labyrinthe. C'est par là, viens. J'arrive, j'arrive. Je suis pas greedy, t'inquiète. Ah, si, c'est greedy. Bah, non. Tout de même, quand je vais arriver, on va poser la banque. Ici, il y a un chariot. Ok, je crois que je suis en fond de mine, en fait, ici. Ah non, t'es... Ah oui, non, on pose la banque. Parce qu'en fait, je me disais, tu vois, tous les lingots, on va pouvoir les échanger en dollars. Ah bah oui, mais tout de même, c'est ce qui était prévu. C'est pour ça que j'avais prévu de les garder. Ouais, j'avais pris la mine T2, en fait. Parce que la mine T2, normalement, elle tourne avec le début. Et alors, pour info, parce que ça, moi, j'avais pas compris, tu l'as peut-être compris. Mais en fait, quand tu ouvres ton inventaire, tu as ton argent en dollars, ou quoi. Et cet argent-là, tu le perds quand tu meurs. Bah oui, je le savais. Pour ça que j'avais fait un coffre, j'avais demandé un coffre et qu'on en a fait un. Dans le coffre, en fait, voilà, tu économises dans le coffre. Oh, Frix, j'en ai un. Casse-toi. Ouais. J'avais plus de munitions, donc casse-toi, c'est ce qu'il veut dire. Ouais, non. Ouais, mais ils font du dollar, c'est bon. Ils font pas trop du dollar, non. On va y ressortir, on va se faire une balle, on va moi, y aller tous les trois. Frix, ouais, reviens. Ouais, j'arrive. Non, mais là, il va te bloquer la sortie, le mec. Ouais, c'est bien pour tout le monde, par contre, des balles, les gars. Ouais. Frix. Ouais, j'arrive. Non, je suis là. Là, il est en train de te bloquer la sortie, hein. Ouais, t'inquiète. Ah, pas peur, j'arrive. Je sais pas combien de balles il va falloir pour lui. Mais où t'es passé toi? Pourquoi t'es passé par là? Bah, je suis passé par la sortie. Ok, d'accord. Bah, il est passé par la sortie. Ah ouais, mais j'ai pris. Attention, je suis là. Ouais, t'es là, mais je te prends pas un coup de. Mais c'est moi! Mais je t'ai pas touché. Mais si, tu m'as touché! Non, j'ai arrêté de tirer quand t'étais là. Non, tu lui feras pas assez mal. Dégage! Mais. Dégage, je te dis! Mais enfin! Tu me tires dedans. Bon, moi je me casse. Non, j'ai pas tiré une seule flèche. Putain, ils sont chauds, hein. Je me casse par où, par là. Tu as quoi c'est peut-être là que le shotgun est important. Bon, moi je me barre. Hein. Ouais, je me barre. Ouais, barre-toi, il arrive. Ok, j'ai quitté la mine. Qu'il va pas sortir de la mine. Oh, ce serait rigolo ça. Ouais. Ok, je l'ai eu. C'est bon, il est tué. Alors. On va les mettre à l'abri, tout ça. Y a intérêt parce que là j'ai un peu mes masses. J'ai 61 argent. Attends, auto-stack, start item. 61 argent. J'ai genre 80 or et laisse tomber. Non, ça va vite. On va faire chauffer tout. Et donc, oups, pour info, la T1, en fait, il fallait un âne pour la faire tourner. Ah, tandis que la T2, il faut de l'huile. Et la T2, il faut de l'huile, ouais. Et la T3, il faut quoi, l'huile aussi? On sait pas. Mais on peut se permettre la T2 maintenant, je pense qu'on peut. Ah oui, je pense qu'on a les moyens de la faire. Hein. Donc c'est pour ça que. On les fait tous les trois. Il faut qu'on revende tout l'or qu'on va avoir là maintenant. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire vendre la T1 et mettre la T2 à la place ou quoi? Non, on garde les deux. On la met à côté. Au cas où. Quand on aura la T3, on gardera la T3. Et après, quand on sera vraiment bien rodé, qu'on aura pas mal de munitions, on pourra chacun aller dans une mine différente. Moi je dis, on les laisse toutes. Et traîner tranquille. Bah ça dépend, on sait pas en plus ce qu'elle va donner la T2 par rapport à la T1. Elle va peut-être pas donner, je sais pas moi, du fer, elle va peut-être donner du cuivre ou autre chose. Ouais, plus d'or ou que de cuivre, ouais, évidemment. Là je suis en train de faire 20 lingots d'or et 7 lingots d'argent. Donc j'ai fait or, argent et fer ici. Ouais, mais nickel. J'ai fait 10, ouais c'est pas mal, ouais franchement c'est rentable. Pour construire ça va être top. Ça va être vachement top. Ce qu'il faudrait même faire, ça serait presque une fonderie juste à côté de la mine, quoi. Ouais. Oui, mais bon, voilà, elle est juste à côté, hein. Elle est pas loin. J'ai mis la mine juste au-dessus hein, de la colline. Je trouvais que c'était un peu plus stylé de la mettre là-bas. Mais on n'est pas loin. Hein.
Et donc, par contre, ce qui est très drôle, oups, c'est que Bourbon, mon cheval, il a changé, il est blanc et noir maintenant. Lol. Ah ouais. Bah, il était déjà noir avec la queue blanche et la crinière blanche, il me semble. Juste la crinière en fait. Mais il était tout noir. Mais moi, moi je l'avais vu avec ça. Ah ouais, ben voilà. Par contre, tous les autres chevaux sont morts. Hein. Ah, même le mien là. Ah ouais, c'est juste, c'est juste une tuerie quoi. Les chevaux ils crèvent de faim à une vitesse pas possible quoi. Et de soif. Ah mais ça il va falloir qu'il règle le souci parce que le mien il avait plus de sang de bouffe hein, hier. Ouais bah. Ouais bah non ils sont tous morts. Non mais je crois qu'il va falloir faire la jardinière et. Ouais ça fond. Moi je pense que ça va pas servir à grand chose. Bah si il va falloir. Ou alors il y a moyen de louer quelqu'un pour les faire bouffer. C'est possible aussi. Bah, il faut regarder dans le truc hein, moi je sais pas après. Donc voilà, t'es cool ou... Pas encore. T'es en train de faire encore 50 secondes et t'es en train d'installer. La téléchargement il va super vite, par contre l'installation est super lente. Ouais, j'ai ça aussi. J'ai exactement la même. Ça m'a mis 30 secondes pour télécharger le truc, 10 minutes pour installer le truc. Pour installer 240 mémo. Ah ouais, non, mais tu les as pas. Ouais, ok. Ah ouais, t'as foutu tout partout toi. Ok. De les trier par fourneau, par truc. Ok. Ah oui, ça serait mieux quand même de les trier, t'en mets une pour le faire, une pour... Ouais, ouais. Non, c'est bon, ça, voilà. Ça aurait été un peu plus vite, quoi. Enfin, pas plus vite, mais ça aurait été plus rentable, je crois. Voilà. Ça aurait été plus vite, les balles. D'avoir l'habilité de plus vite. Les balles et le loup. Qu'est-ce qu'il nous faut pour les balles? Mais les balles, il faut... De la pierre, de la pierre, il faut... Pierre, soufre... Et sel, non? Ok, donc il faut que je green tout ça, ok. Pierre, soufre et sel, c'est ça? Il me semble que oui, bah regarde, il y a le truc. Hein. On a beaucoup de... Non mais j'avais déjà fait plein de poudre en avance. Voilà, on a 52 lingots, donc à mon avis le lingot il vaut 200$. J'en ai encore 10 sur moi. Hein. Donc il y a moyen de se faire... Normalement si je dis pas de conneries, hein, je me souviens d'un stream, un lingot vaut 10$. Ok. Ah moi j'avais lu 200, mais ok. J'en ai sur moi, hein, j'en ai 10 sur moi. Ah mais non, c'est peut-être 200, je me trompe peut-être. Hein, donc. T'as mis les lingots d'or ou ça dans le coffre à... Dans le coffre du shérif. Ok. Bah ouais, attendez, c'est moi qui garde l'argent. Ouais, laisse les grilles ouvertes. Hein. J'ai plein de poudre noire, et alors du coup, en balle, qu'est-ce qu'il va me falloir? Il me faut des minerais de fer que je viens de tout dépenser. Merde. Non, j'en ai encore. Ouais, j'en ai encore. Mais beaucoup, hein, parce que ça... Ah non, ça j'en ai pas, attends, je vais voir combien j'en ai. C'est pour ça qu'il va falloir 3. Qu'on fasse une mine exprès pour les balles, peut-être, dans ce cas-là. Ouais, 3, ça sert pas à ça. Non, cheval, je le vois pas mort, hein, les gars. Non, toi, ton cheval, je l'ai nourri. Si c'était celui qui était au chariot, je l'ai nourri. Ah, nickel. Mais tous les autres, ils sont morts. Ou quasi. Par contre, oui, donc il faut des balles, c'est ça? Merde... On sait pas. Oui, mais non, il faut du minerai de fer. On a tout lancé. Moi, je retournerais bien à la mine. On peut retourner à la mine. Oups, c'est chaud. Mais on a pas de balles, on a rien. On a ouais, mais bah on fait quelques trucs et puis on. J'ai 22 balles. On revient quoi. Étonnez-moi, y'a un bug là. Mais par contre, il va falloir. Il faut retrouver la sortie, ça va être un peu chaud. Ouais. Ah oh, bah t'es avec moi, cool. Ouais, salut à Falco 32, bienvenue à toi. Salut Falco. Attendez-moi, il arrive. Ouais, on est à l'entrée. On est tranquille. Tranquille, c'est normal. Il y en a même derrière l'escalier, donc je la prends direct. Par contre, une fois que tu l'as fait, il faut que ça repop. Donc on va devoir s'enfoncer de plus en plus loin dans la mine. Ouais, exactement. Ou alors on rachète une autre mine, si c'est faisable aussi. Mais non, mais il faudrait. Il faudrait que tu regardes combien ça coûte pour déployer ton banquier. Oh, y'a un mec derrière moi! Mec, casse-toi! Mais le banquier, je l'ai, ça coûte rien, hein, du coup. Mec, il court! Barre-toi! Il court! Il court, les gars! Prépare ton arme. Oui, il a une grosse masse! Ah oui, non, ils sont chauds. Ah, ok, il est mort. Ah, ils sont peut-être plus faibles. Ça, vous voyez, c'est un tireur. T'as vu quoi sur lui? Pomme verte. Et 17$. Nickel. Okay. Mais il faut vraiment qu'on reste groupir, hein, les gars, c'est chaud. Attends, je vais mettre mon arc. Parce que j'ai plus. J'ai plus mon arc. Hein.
j'ai que mon arc. Est-ce que j'ai encore des flèches? Tu vois, tout ça, on a déjà loot. Ouais, donc ça dort pop quand même. Voilà. Oh putain. Je suis même pas sûr d'avoir assez de flèches, moi. À droite, hein. Ouais. Pensez aussi à fondre le charbon pour la mine secondaire. Yep. Ouais, ouais, non mais pour les fourneaux surtout. Droite, droite. Moi j'ai fait droite, droite. Droite, droite, mais c'est fermé là par contre. Il y a de l'or en dessous de ce que t'es en train de faire. Non, moi j'irais vraiment installer vite fait cette banque, comme ça on... À fond. On a de l'argent et on peut commencer à acheter. Rien d'autre par ici. Et puis l'avantage c'est que... L'avantage c'est qu'une fois qu'on aura la deuxième mine, le temps de looter la deuxième, la première aura repopé sans doute. Ouais, ouais. Par contre faut vraiment pas se perdre, hein. J'ai l'impression que c'est un vrai dédale ce truc. Hein. Ouais, par contre les gars, minez bien là, c'est cool vous minez mais il reste encore des trucs. On n'a pas tout fait, hein. Non, on a eu les mecs. Où on était. Il va falloir créer des pioches. Hein. Il va falloir récupérer quelques grandes pioches et quelques. Ah, je vous laisse.
Sorry les gars, mais il y avait quelqu'un dans la mine là, non? Allô, allô? Allô? Oh! Oh, j'étais mais kick violent de... Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, il est revenu! Oh putain, j'ai été kick, mais bam bam bam, mais il y avait un mec dans la mine, non? Ouais, ouais, je l'ai tué, ouais, d'accord. Ok, d'accord. Un ou deux là. C'était bon. Je reviens. Moi je mets l'or là. Pas minerai. Par contre, minerai pour faire les balles. Non, on fait pas le. Eh, mais c'est moi ou il pop comme ça? Il pop comme ça. Moi je vais d'ailleurs aller faire une pioche demain parce que j'en ai pas. Ah si, j'en ai, en fait. Où est-ce qu'on est la banque? Moi je propose après le petit entrepôt là. Tu la cales ici, dans l'axe de la rue, tu la cales là où je suis. Oups. Mais ah, à ouais, côté, ou à côté en perpendiculaire au truc de chevaux. Là où je suis, non, pas en perpendiculaire. Et le petit entrepôt, on va le péter, hein, il me fait chier là. Je ouais, mais on s'en fout pour le moment, on le laisse. Faudrait la mettre là. Faudrait là où je suis. Juste à côté du petit entrepôt, tu la mets là dans l'alignement en fait. Dans l'alignement de la rue quoi. Dans l'alignement de la rue, oui, exactement. Ouais, le problème c'est qu'on voit pas grand chose. Non, j'avoue, pour placer la mine, j'ai chier. Je vous le dis. Alors, est-ce qu'ils vous font plus des missions de pistolet ou des missions de fusil? Tu vas me dire les deux, mais. Non, moi j'ai mis les pistolets, mais je sais pas ce qu'on a comme. Moi j'ai besoin mission, de toute façon de balles, de fusils. Ok, bah écoute, je suis en train de tout faire, on verra bien. T'as réussi, Oups? T'es en train d'essayer. Ah, pour la mine, j'ai vraiment chié parce que t'as une perspective qui est atroce. Ah, moi, c'est même pas au niveau de la perspective qui me fait chier, hein. C'est surtout au niveau du truc pour le placer. Voilà. Quoi, vous passez à T2? Non, la banque. Non, on place la banque. On place la banque achetée. Vous avez combien de fric au fait? Moi j'ai 180$. Attends. 33. Normalement j'en avais plus, j'en avais mis dans le coffre. 48. Mais je, 48, j'ai, mais j'ai plein de. J'ai plein d'or. Hein. Je l'ai pris pour la mine. Enfin voilà, je me suis dit que c'était pour la commu et voilà. J'avoue. T'as réussi Attends, je suis en train de regarder. Ah. Faut que tu l'accèdes. Bah j'essaye justement. Le problème c'est que c'est vraiment. Ah. Vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Il aurait fallu qu'on fasse une continuité pour que je puisse voir un petit peu exactement. Là, on va stocker là, celle-là, on va stocker là. J'arrive encore avec plein de trucs. Ah, c'est juste bizarre cette mine. Ah ouais, non, mais c'est... Attends, t'imagines la suivante, quoi, ça va être énorme. Non, mais t'imagines les persos qu'on va rencontrer dedans. Ouais, j'avoue. Aussi, hein. Du coup, là, je vais mettre... 10 balles. Oups, toi, t'as... J'en ai pour 620$ avec les 62 lingots. Donc c'est bel et bien 10$ pour un lingot. T'as aussi une Winchester, oups. Ouais. Attendez, je vais mettre un lingot. Un lingot égale 10$. Non, j'ai pas encore le temps de me faire des armes, moi. J'ai 673$. Ça coûte combien déjà la mine T2? Ah putain, je sais plus. Voilà, je vous ai mis 20 balles de fusil, de pistolet, 10 balles de Winchester dans le coffre commun. J'ai encore de l'or si ça intéresse quelqu'un. Mais on va tout mettre à la banque. Oula, ouais. C'est ça la banque? Mais non. Si. Ah, mais comment tu l'as commencé? J'ai fait au mieux, hein. J'ai fait vraiment au mieux. Attends, et tu peux vendre quoi? Attends, si je fais ça, 17 lingots, t'as raison, c'est 10$ le lingot. Et on fait quoi Oh, mais c'est. C'est quoi ce truc? Les gars, il nous manque 100$ seulement pour la faire. Pour faire quoi? Ben ça, je peux les avoir, je vends 17 lingots, je les ai. Ben, vends-les, mets-les dans le coffre, pour ça on peut.
Et le pognon, l'argent, on le met où? Tu mets ça sur vendre. Alors on mettra ça dans le coffre, hein, de toute manière. J'ai 170, c'est 10 balles le lingot. Ouais. Ok, je les vends? J'en ai 17. Là, moi je les vends, j'ai de l'argent. Je mets d'ailleurs, autant tous les vendre et qu'on ait du pognon de stock en stock. Hein. Ouais, ok. On peut vendre. On peut pas vendre la pierre. L'argent. Si on peut vendre. Ouais, j'ai regardé aussi, mais le charbon il veut pas. Ça peut-être banquier. Va. Et si on met les minerais? Ah, par contre, les minerais, on peut les vendre. Ouais, mais ça rapporte moins, je sais pas. Non, mais 1$ le minerai. Oh, mais non, laisse tomber. On fait un lago avec ça, ça nous fait 10$, donc ça vaut. Qu'est-ce que tu dois mettre l'argent? Comment est-ce qu'on met l'argent? Alors, tu vas dans. Déposite, ok. Voilà, déposite, et tu cliques dessus et tu déposes. Moi, je viens de mettre 350$, les gars. Alors, on se met d'accord un peu sur la chute. 350, mais... withdraw, hop. Voilà. Non, c'est okay, déposite. Marque. Ah, tu prends tout? Ouais. On va regarder combien qu'on a. Oh, mais j'aurais tout mis, moi. J'aurais tout mis dans la banque et puis envoyé. Justement, donc là on a 1241$. Ok. Quelqu'un regarde la. T'as regardé la boîte aux lettres, Isra? Ouais, j'y suis. Alors, les contrats. Alors. La mine T2 c'est 750$. Voilà, la mine T2 c'est 750. Le Gold Exchange, c'est ça que t'avais pris ou pas? Attends. Il y a un truc qui s'appelle Gold, donc l'échange d'or. C'est un truc à 200$. Ah bah c'est ça que t'as dû prendre alors. J'ai un auctioneer. Un quoi? 450. Auctioneer, c'est un HDV si tu préfères. Ouais, si on est avec d'autres joueurs. Comme on l'est pas, on s'en fout. On s'en fout. Train station, on s'en fout, à part plus tard peut-être. La ensuite, banque. On peut avoir une banque à 1,2 million. Un barbier, 1,5 million. Et la maison de shérif, hein, 2 million. 2000. Hôtel, 3 millions. Forgeron, 3 millions. Et étable. Ah, et les, par contre, l'étable, je pense qu'il faudrait peut-être la prendre. Oh, je sais pas. C'est peut-être un bonhomme justement qui va s'occuper justement des chevaux et de ça, de les nourrir. Ah, non, ça, je suis pas sûr. Je crois que c'est plutôt celui qui fait les. Ouais, on pourrait la prendre. Mais 6 millions. Ouais, 6 000 balles. Ah ouais. 6 millions, bah, on a le temps de voir aussi, les gars. C'est 6 000$, hein, après tout. C'est pas. C'est pas non plus ouf, hein. Non, c'est vrai. Bon, je vais déjà prendre le lingot. Est-ce que tu as déjà revendu tous les lingots Oups. Oui. Tous ceux qu'on avait en stock? Oui. Okay. J'ai déjà pris la mine T2 du coup. Il reste 491$. Je vais les remettre. Ok. Et les lingots d'argent, quelqu'un a testé de vendre? Non, j'ai pas testé. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Je viens de tester. Ah, t'as testé, ok. Oh, il y a un ours dans la propriété, les gars. En plein grand rue. Elle. Ça merde. Non, je rigole. Gros pédé. Foule-le avec ton cheval. Ok, c'est bon. Bon, t'as nous a mis des balles où du coup, tu nous as dit? Dans le coffre, comment? Donc dans le... Dans l'entrepôt. Ouais. Ouais. Tu croyais que j'ai déjà pris ces balles? Je sais pas. En tout cas, j'ai fait des stacks partagés, donc tu prends un stack, t'es bon. C'est partagé. Et un stack pour la Winchester. Du coup, ça me fait 22 balles. Dans ma charrette, je vais vider les trucs parce que je suis lourd. Alors, hop, moi je voudrais construire un truc. Est-ce que j'ai 5 bois? J'ai pas 5 bois. Ok, Bourbon, t'es ou t'es bourré? Mon fouet, je vais le garder. Qu'est-ce qu'on fait? On refait un tour dans la mine? Les Bourbons, il est où? Mais sérieux, les gars, j'ai perdu mon cheval? Ah non, il est là. Moi, j'ai bifle. Ah, mais donc la banque, c'est vraiment tout petit, quoi. C'est ridicule. Ouais, c'est vraiment. Mais c'est juste un. C'est même pas la banque, en fait. Hein. C'est juste un bonhomme pour échanger ouais. L'or. Ouais, c'est un trader, quoi. Mais enfin, ils auraient pu faire un peu plus stylé, quoi. Parce que ça, à la limite, sa maison, on l'intègre dans une maison à nous. Je dis. On retourne dans la mine ou pas, Frix? Oh putain, la mine là, elle est super grande, les gars. Ah, t'as acheté la deuxième, du coup? Ah bah oui. Il a un terrain plat. Si on veut pas que ça passe dégueu. Bah, un peu plus loin, c'est plat, hein. Non? Là aussi.
Là, ouais, à peu près ici, ouais. J'essaie juste de trouver un bon angle pour qu'on ait quand même moins de... C'est super chaud. Et là, il faudra de l'huile. T'as été chercher l'huile ou j'y vais? Non, vas-y. Marche. Tiens, Isra, regarde. Regarde la mine. Oh putain, je suis mute depuis 4 quarts d'heure. Oups, la mine, tu peux la mettre derrière chez toi. Non, c'est bon. On a trouvé un terrain bien plat et tout, quand même. Et donc, celle-là, t'es sûr, c'est de l'huile, hein? Ah ouais, c'est de l'huile. Oh putain, attends, j'ai besoin d'huile pour alimenter le puits de mine. Oh attends, non, c'est horrible, j'ai des rollbacks et des freezes. Laisse tomber. Je vais chercher. Et en fait, tant qu'elle est pas alimentée, on peut pas rentrer dedans. J'espère que quand elle est plus alimentée, on peut sortir aussi. Parce que t'imagines, t'as plus d'huile, t'es dedans, tu. Oh, non, non, non. Tu gardes de l'huile sur toi pour essayer de voir si tu peux l'alimenter par en bas. Ça, t'imagines, ça reste bloqué, c'est l'horreur. J'ai besoin de 10 bois, putain. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le. Dans ma charrette, il doit en avoir. Non, c'est bon. Genre. C'est du charbon. Ouais, c'est du charbon. Faut prendre le charbon et. Je vais en remettre dedans. Voilà, et j'ai 39 huiles. Ouais, mince, j'en avais une sombre de l'huile. On m'a comblé la prise. Ouais, moi, je n'ai rien pris, mais en tout cas, je viens de prendre l'huile dans le. Non, j'en ai 46 mois du pire, lol. Non mais par contre il y a des frises. Il est sacré rollback hein, depuis leur putain de mise à jour il y a de. Ah ouais non mais moi ça n'arrête pas les gars. Bon par contre la mine ouais putain elle est vachement badass. Et apparemment il n'y a pas encore de T3 de sortie hein, donc peut-être qu'ils en sortiront une après mais. Au fait une, vous avez remarqué que votre âne il est à moitié dans le sol. Dans le sol hein, ouais. Les genoux qui plient un peu mais. T'es prêt, Frick? Non, attends, je suis pas prêt du tout. Pas prêt du tout. Moi je mets déjà de l'huile, je l'active déjà. Okay, parce que le maman elle produit, il me semble. Comme ça, on y va ensemble, Frick? Ouais, j'arrive, mais je vais me faire une pioche. Je me fais juste une pioche. Ah merde, je suis rentré. Je crois mettre de l'huile. Putain, hé! Quoi? Quand tu rentres dedans, en fait, Hydra, je t'ai vu rentrer dedans là. Merde, t'es putain. T'es apparu comme si t'étais à l'autre bout de la map. Attends, je quitte la mine. Non, moi je rentre dedans juste pour voir. Ah mais oui, c'est la même sortie. C'est la même sortie qu'ils ont mis. Ouais. Et comment tu et où tu mets l'huile? Attends, c'est dingue ça. En fait là, ben là tu peux pas la mettre, j'en ai mis. Ah non, reste appuyé sur E. Ah, ouais, c'est ouvrir l'inventaire du carburant. Ah j'ai c'est bon. Et là il ah ouais, t'es à l'autre bout de la map. Ah ouais, je te vois l'autre bout. Complet, c'est dingue. Bon, je vais déjà enlever. Mais ouais, 2 secondes les gars, je fais une des pioches. Quoi? Une pioche, ma pioche est pétée, putain. Fais-en plus dans ce cas-là. Fais-en plus. Bah non, j'en ai qu'une, je sais qu'on va en faire qu'une. Ah non. Dans ma charrette, il y a du minerai. Non, il y en a plus. Moi, j'ai plus non plus de. Ah, ok, en fait, il a piqué tout le minerai, du coup, ça va y en a plus. Ouais, j'ai rien piqué, hein. Je vais aller en faire une vite fait. Et j'ai pas de munitions. Les munitions, elles sont où? Mais je te dis. Dans le coffre du petit entrepôt. Coffre commun, entrepôt. Ok. Moi je vous attends à l'entrée de la mine, dommage qu'il n'y a pas un truc pour faire ci. Ouais. Ah merde, j'ai oublié d'aller voir, je suis con. Je vais aller voir avant. Ouais, moi je vais aller voir, je vais me chercher de la bouffe. Et mais les gars, il y a encore 42 lingots de fer dans ce truc. Ah mais lingots de fer, pas lingots d'or. Ouais mais on peut faire plein de trucs, et encore il y a encore de la poussière de charbon et tout. Ça ferait une musique, ça pousse, c'est ça. J'avais dit que je me ferais quoi, la pioche? On va en refaire une. Ah merde, il manque 9 bois. Oh, putain, mais les rollbacks. Tu peux en trouver dans mon entrepôt, Isra. Ouais, mais c'est loin quand même. Bah non, c'est juste à côté de la forge. Ah ouais! Ah, elle est belle! Mais attends-nous du coup, hein. T'as attendu l'autre qui part. Mais oups, il est déjà dedans, non? Non, je suis parti chercher à bouffer et boire. Oh, ok, d'accord, bah je vous attends. Et c'est où ton entrepôt? La bouffe elle était par ici normalement, elle est passée où? Elle est toujours là. Je vois qu'il y a des bâtiments, putain. Ah c'est quoi ce bâtiment de merde? Elle est où la bouffe du coup? Elle est là. Ok d'accord, il y a pas de bouffe de cuite. Ah je vais mettre du bois dedans. J'ai des framboises à moi si tu veux. J'ai plein de framboises. J'ai un petit peu de viande si tu veux. Ah, on verra après. J'ai 6 poissons là déjà cuits. Je rentre dans la mine, je vous attends à l'entrée. Bah, je t'attends.
Moi je construis ma pioche. T'es où mon ours? Je suis là, là, regarde. Bonjour. Salut. Besoin d'huile pour alimenter le puits de mine. T'as mis de l'huile? Hein? Quoi? Comment ça, besoin d'huile pour alimenter? Oh non, non, on l'a mis. On l'a mis. Pas de déconner là. Ah bah voilà, je suis descendu dedans. Merde. C'est parce que tu sais quoi, t'avais dû désactiver le truc, non? Non. Non, non, je pense pas que ça se désactive le truc. Non, quand t'es sur le côté gauche, il te demande quand même de... Il dit besoin d'activer machin, et en fait, il est déjà alimenté. Reste là, Félix. Reste là, je te tire des balles. Alors, je vais tirer des balles. Fais gaffe, tu veux mourir? Je dégage le chemin pour vous. Il fait style. Reviens ici. D'accord, oh là là. Reste sur les planches. Reste sur les planches. Oh, ça c'est de la pierre, on s'en fout. Tiens ici là, garde là si tu veux. Oh, c'est moche, mais prends-la aussi. Non, je te laisse péter ta pioche. Ah, Isra il est là. Voilà. Attends, bah attends, Frix il attend. Attends, vas-y. Bah c'est de l'or. Ouais, bien sûr. Parce que sinon il va nous faire un caca nerveux. Non, mais on va y aller ensemble parce que vraiment. Ouais, y'a du monde. À mon avis, y'a du monde. Il y a du monde et du monde un peu plus lourd parce qu'on est dans la terre. T2. Hey, mais qu'est-ce que tu fais? A ton avis, qu'est-ce que je fais? Hop. Bon, bah oups, parti. C'est une salle, y'a rien dedans, on peut miner tranquille ici. Ouais. Allez hop. 3. Par contre, il y a des moments où le n'irait pas. Vous avez ça aussi? Ouais. Mais j'adore ce concept d'instance que tu crées. Je trouve ça génial. Hey, mais prenez le charbon aussi, hein. Pour On va tout prendre. Là, comme c'est une salle vide, en fait, on fait la salle. Comme ça, après, on part. Ah, y a des trucs, des fois, ils sont un petit peu chauds hein, pour le miner. Ouais. J'ai toujours un petit coup d'œil dans le couloir. Est-ce qu'il y a encore quelque chose ici? Non? Ok. Attends, vous faites. Dégage tout comme ça, mais bon. C'est de la pierre le reste. Est-ce qu'on sait mettre un coffre dans l'instance? Non, évidemment non, tu vois. Je pense pas qu'on puisse en mettre. Parce que tu vois, tu mets un coffre à l'entrée, boum, tu mets tout dedans. Parce que la pierre, c'est un peu chiant, quoi. Si, là, c'est bon. Bon, ça, c'est de la pierre, les gars, ça nous gêne pas pour passer, hein, regardez, laissez-le. Là ici y'a rien par ici? Ah ici y'a un mec! Où ça? Rends-toi! Mineur fou! C'est un petit peu chiant qu'on soit... Grande pioche! Que... Grande pioche! Et 8 balles! T'as donné une grande pioche? Ouais! Ça c'est nice ça par contre! Ouais, ah, c'est cool! Donc si quelqu'un a besoin, allez-y! Miné, je surveille la truc! Ouais, j'ai déjà pareil! Par contre, qu'est-ce que tu ramasses comme pierre? C'est chiant, quoi. Ah, mais ça, tu la jettes, hein, tu t'en fous, on peut en avoir autant qu'on veut, là, maintenant. Ouais, c'est bon, pour le moment, je vois rien, on peut miner. Ouais, j'ai rien vu. Je vais miner comme ça, en regardant par là, comme ça, je vois les deux entrées. Ça marche. Mais c'est ça, mais au final, le train, on le voit. Quoi, y'a un train aussi, vous l'avez vu? Ouais, tu peux avoir une station de train. Ok, donc y a bien le truc de train, quoi. Ouais. Le train, si on veut par la suite, pour vraiment s'amuser, on pourra même faire une autre ville plus tard, plus loin, en mettant des PNJ, gardes voilà. Et tout ça. Il y a un hôtel, il y a un shérif. Par contre, ouais, il y a vraiment des gros bugs. Hein. Des fois, je me mets pile devant le caillou, il veut pas piocher. Pareil. Ouais. Et me touche pas avec ta pioche, hein, je t'ai vu. Par contre, ce qui pourrait être cool, c'est d'utiliser les chariots, quoi. Ouais. Complètement. Et avec ça, il y aura peut-être des mises à jour pour améliorer les mines et tout. Ouais. Moi, je trouve que le concept de base, il est génial. Parce qu'au final, c'est pas plus mal. Tu vas tuer des bandits pour avoir de l'argent, avec de l'argent, tu peux te faire des... Non, je trouve ça génial, en fait. C'est vraiment bien. Par contre, franchement, les gars, on va même plus s'emmerder à faire des pioches maintenant. Hein. Si on peut en drop ici... Ouais, mais... Ouais, mais t'es pas sûr d'en avoir, hein. Ouais voilà, on a droppé une sur 10 gars. Pour ce que toute la pioche en haut... Sur 2 gars sur cette mine là.
2 1. Ah, sur cette mini-ci, on en a tué une 2, les gars. Par contre, il me semble qu'il y a beaucoup plus de trucs, non? Ah bah oui, là, c'est logique, c'est une T2, donc là, t'as plus de minerais. Hein. Maintenant, je sais pas si la T2, il y a plus de minerais, elle est exactement pareille, ou bien si elle est plus grande. Elle devrait être plus grande et je pense qu'elle devrait avoir plus de minerais, parce qu'il y a plus de minerais quand même d'or et tout ça, j'ai l'impression. J'aime avoir. Attendez, moi, on va continuer, je vais regarder s'il y a pas. Non, attends, attends, moi, je suis encore dessus. Ah, mais c'est parce que mon gars, je suis dans le petit couloir. Ouais, bon, t'es d'ailleurs, voilà. On fait le petit couloir où je vais et après on pourra aller l'autre. Hein. Petit couloir, petit couloir. Putain, là on fait tellement de minerais de fer, on a même besoin de courir avec l'eau chaude pour. À fond. Y'a encore des trucs dans la salle, Ezra? Ouais, attends, je suis encore dessus. Je pense qu'on est bon. Par contre, le minerai d'argent, il faudrait voir à quoi ça sert. Mais il y en a dans la construction. Vas-y, oups, je vais regarder un peu en avant. Là, devant. Là, là. Dynamite, reculez. Mais... Là, par contre, essayez éviter de vous mettre devant. Wow. Il fouille. Poursuivez-le. Abattez-le, ce chacal. Ah, j'ai plus de balles en fait. Ah, c'est pour ça qu'il faut qu'il y en a un qui tire et que quand il a rechargé, il le dit. Parce qu'en fait, on gâche les balles là, je pense. Pas forcément. Tu l'as looté Il avait rien, que du pognon. Ah, ça marche. Hey ho, hey ho. J'espère que Blanchet nous aura fait une bonne soupe. Ouais, mais non, il y a un problème, les gars, c'est que là, c'est des minerais. C'est une mine de diamants. Hein. Oui. Tu ne sais jamais ce que tu trouves au fond de la mine. Oh, ici, c'est bizarre, les gars. Par contre, moi, ce qui m'énerve, c'est que franchement, il y a des coups, tu les donnes et il veut pas. Ouais, oh, je confirme. Ouais. Franchement, ça devient lourd. Et alors, ça serait pas mal aussi pour engager un mineur. Ah, Mimi Sako, sorry, coucou. Oui, la prière, c'est très utile. Je sais pas si on peut engager un mineur. Non, mais ce serait bien, tu vois. Bienvenue, Mimi Sako. Après, c'est peut-être tous les trucs qui vont implanter plus tard. Hein. Ah, oui, mais c'est des idées envoyées aux développeurs. Quoi. Alors, oui, et la pierre sera très utile pour la voie ferrée. Ça demande beaucoup de pierre et de sable, donc stocker la pierre pour le train. Ah, donc, oui. Voilà. Merci Mimi. Ah bon, de toute manière on pourra revenir quand on veut maintenant qu'on a les mines. Ouais. D'ailleurs les viewers n'hésitez pas à passer sur le Discord. Hein, Oh, attends, je vais péter ma pioche. Bah je pense que Frick il a une autre. Non mais j'en ai fait une deuxième exprès. Par contre, la bouffe, qu'est-ce qu'elle descend vite. Hein. Ah, mais c'est. Mais laisse tomber, quoi. Depuis leur dernière mage, c'est horrible. Tout, ouais, bouffe et boisson, quoi. C'est... Bah, tu comprends pourquoi les chevaux ils crèvent. Hein. Ouais, complètement. Mais là, par contre, c'est un peu lourd parce que quand t'es déco, que tu peux pas jouer, tu laisses un jour et demi ton cheval, il est mort. Même pas un jour et demi. Ouais, non, même pas, ouais. Tiens, d'ailleurs, t'as quelqu'un apparemment qui a déjà joué au jeu. Qui s'est renseigné de quoi, qui ça? Ouais, Mimi Sako. Ouais. Est-ce qu'elle sait à quoi sert les tables? Est-ce que ça nourrit automatiquement les chevaux ou pas? Ah, bah je sais non, pas si elle est encore là. Je sais pas si elle est encore là. Mimi, si tu sais, est-ce que tu pourrais nous guider un petit peu sur un truc non, qui pourrait donner à bouffer le. Moi, il parle du blacksmith, mais je pense pas. Ok, bah en gros, on... il est marqué étape tout en bas, Hydra. Ah, je vais les mute, hein. Je vais les mute. Tout en bas, il y a une étale et elle coûte 6000. Je vais vous mute, les gars. Le blacksmith, c'est le forgeron. Oui, je sais, tu vas nous mute, on s'en fout. Pourquoi tu veux nous mute déjà? Ah, mais vous parlez beaucoup. Ouais, mais bon. Donc, je disais, Mimi Sako. Ah, il faut pas avoir peur des dynamites pour le moment, ça fait pas de dégâts aux joueurs. Ah, ok, d'accord. Ah non, ça fait zéro dégâts. Donc, Mimi, la question était de savoir est-ce que tu sais ce qui pourrait entretenir les chevaux pendant qu'on est en off? C'est
les deux salopards se sont barrés, ils m'ont laissé finir là. Ah non, je suis là. Non, moi, je suis là. Mais on dirait que. Y'a quoi par là-bas? Y'a rien? Je sais pas, par là on a pas encore été. Ah, vas-y, j'ai un cul-de-sac. Tac. Ah! Il est passé au moment où je piochais. Ouais, Bon les gars, je crois que ce côté-ci on l'a fait, hein, y a plus rien. Ah ouais, t'es sûr? Je pense plutôt que c'est surtout la fin de la mine. Ouais c'est ça, ouais. Bah l'autre, la T1 était beaucoup plus grande. Hein. Attends, est-ce qu'on a fait de l'autre côté là, ici est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Là, y'a rien par ici. Y'a rien. Ouais, mais on dirait que la T2 est plus petite, mais qu'il y a plus de minerais, c'est possible? C'est plus condensé en fait, c'est juste. Tu penses. Ah, ici il y a des minerais là. Ah, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être en fait la T2 est plus facile à looter parce que c'est les moins larges, tu dois moins parcourir toute ta mine. Ouais, c'est pas plus mal au final. Au final, ici une personne tout seul peut venir. Hein. Je suis assez avancé, elle m'a dit. Alors, il faut pas avoir pas de limite. Ouais, elle est... Mimi dit qu'elle est assez avancée donc. Mais on dit elle, si ça se trouve, c'est pas elle. Ouais, mais Mimi, moi je vois bien, une passionnée streameuse, blonde, forte et poitrine. Les chevaux bug toujours, ils mangent seuls si... Attendez, les chevaux bug toujours, ils mangent seuls si tu les mets... Si tu leur mets des baies pour l'eau, ça descend pas vite. Ok, donc faut les bourrer de baies, quoi. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait, mais bah moi... écoutez les gars, je vais retourner dans la mine T1. Ouais, je vais lui apporter ce que j'ai. Mais maintenant, est-ce qu'on fait tout par la gauche ou... Et by the way, Mimi, n'hésite pas à claquer le petit follow, ça fait toujours plaisir, et à nous rejoindre sur le Discord. On jette le balance tout de suite. Ouais, et chez moi aussi. Non, pas chez lui, il est méchant. Il est méchant, lui. Oh, mais tu sais, il est gentil, monsieur Pignon, et il est mignon. Méchant, monsieur Brochon, c'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi. Non, on approche des 100 chez Hydra. Ah mais justement. Il faut qu'on arrive à ce seuil des 100 avec la grosse fête gazeuse derrière. Alors, qu'est-ce que j'ai là? De l'or, il y en a un qui a fait 35 métaux. Oui, je suis une fille, mais pas blonde. Mais est-ce que tu as une forte poitrine? Hop. Eh les gars, je viens de tuer deux mineurs dans la mine T1 et j'ai chopé deux pioches. Mais écoute, Mimi, ça nous ferait super plaisir parce qu'on a déjà Nelim qui est dans la Dazzo et qui fait ses lives. N'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. Et donc, une fille en plus dans la team, ça serait cool. Mais c'est n'importe quoi. On a plein de joueuses. Renseigne-toi avant, c'est parce que toi t'as trois vrais viewers et puis t'as eu un rush. Mais sinon, monsieur, on a plein de viewers. Mais c'est n'importe quoi. Ma sub, Sticket, c'est une fille, donc enfin voilà. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais enfin. C'est pas vrai, tu mens. Bah non. Moi, ce que je m'étais dit, je vais quand même essayer de voir combien ça coûte de faire les jardinières. Ah, elle met qu'elle a pas à se plaindre. Elle a pas à se plaindre d'être une fille, mais non. Non. En général, franchement, je peux parler en connaissance de cause. Une fille ne se plaint jamais, surtout sur les jeux. Garde, tu as encore eu la vérité aujourd'hui. Nelly m'a stream Guild Wars, les gars. Vous voyez lequel jeu? Oui. Un vieux jeu. Elle est à peine arrivée, t'as tout de suite deux mecs qui ont été proposés le raid pour la PL. Il y en a un qui lui a donné 5000 pièces d'or et tout dès le début. Ah, mais c'est Nelly aussi. Non, c'est surtout que c'est une fille. En étant une fille, t'as une facilité, mais monstrueuse, gros. Oh, c'est scandaleux! Moi, je suis pas d'accord. Sexiste, va. Inégalité totale. Non, mais Mimi, n'hésite pas à claquer le petit follow, viens nous rejoindre sur le Discord. Si tu es sûr, on se fait un plaisir de te mettre. Tu peux toujours dans l'eau. Ça fait grave. Ça, c'est peut-être space comme phrase. Ah, il me reste plus qu'une poule. Alors, Mimi, tant que t'es là, moi, j'ai perdu mon cochon. J'ai perdu une poule sur deux et je sais pas comment les nourrir. Ah non, mon cochon, il est là. Enfin. J'ai plus de balles. Je fuis la mine. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends plus rien, moi. Mon cochon est mort, je pense. Mon cochon est mort. Oui. Et elle ne me lèvera plus ce groin dans mon verre. Mais
Bon, c'est pas grave, on vient de perdre fric. On vient de perdre complet là. Ça y est. En même temps, c'est pas comme s'il était souvent là, donc bon, pas trop une grande perte. Hein. Dès qu'il y a une fille, c'est foutu. Hein. Ah ouais, c'est mort. Moi, ouais, c'est mort. Bah, c'est fric en même temps. Il y a une longue chevelure de réponse et c'est bon quoi. Je pars en vrille. Ah, niveau chevelure, c'est sûr qu'avec moi, t'es pas gâté. Hein, non, ça va, j'ai quand même mal, j'ai des cheveux, gros. Arrête, merde. J'ai des cheveux. Arrête, monsieur, tu t'appelles ça des cheveux, toi. Moi, non, j'ai 1 cm de cheveux, s'il te plaît. Moi, 1 cm. J'appelle ça une extension de moustache, mais bon, après. Et encore. Ma soeur avait plus de poils que toi. Je dis ça à Mimi parce que j'ai zéro poil sous caillou. Ouais, lui c'est notre petit crâne d'œuf. Ah voilà, ouais. Les poules c'est comme les cochons, ça repop au bout d'un moment. Ouais, mais c'est comme. Ok, donc, et en fait on s'en fout, on doit pas les nourrir, on doit pas. On rien en fait. Ça c'est comme les bourgeois quoi. Les bourgeois et les cochons. Les bourgeois. Tu confirmes que c'est de la déco, Mimi. Non, quand tu les casses, les poules, quand tu les tues, ça fait des plumes. Ça fait des œufs, c'est ça? Non, ça fait des plumes. Les plumes, mais ça sert à rien. Les plumes, je t'assure, ça fait des plumes. Par contre, je pense que d'avoir collé la mine là-haut. Ça fait plus repop les arbres, ça c'est un peu chiant. Bon, c'est pas grave, gars, t'as des arbres un petit peu partout quand même. Oui, t'arrêtes, toi ça va, c'est pas non plus le truc. Ah, je suis pas d'accord avec vous, les gars. Y'a une poule sur le pont. De toute manière, t'es jamais d'accord avec nous, toi. Non, bon, il râle tout le temps, tout ça. Mais vous avez fini d'être désagréable, ça. Non, puisque je vais tout commencer là. Ah, bah pour une fois que je suis pas dans la cible, ça va. Pour une fois qu'il est pas ma cible. c'est juste une question de relais truc. En compéter ma hache, moi. Minerai d'argent reçu. Et l'argent. On peut pas nous garder en minerai, hein. On sait jamais si on en a besoin en minerai ou en. Et l'argent, ouais, je sais pas trop dans quoi il ça sert. Je sais pas. Ah, ok. On a une autre. Oh, les frises. Ah, ouais, bon, ça va maintenant. On se tape de ces rollbacks et pourtant j'ai une très bonne connexion. Et, là, et quoi, vous êtes dans la mine ou pas? Non. Là je vais essayer de faire une jardinière. Par contre, pour la mine, si on en met la T3, je la mettrais plutôt du côté de la plaine. Mais il n'y a pas de T3. Il n'y a pas encore de T3. Non, il n'y a pas encore été incorporé. Ok, d'accord. Et la T2 elle coûte combien? 750. Ok. Mais non, est-ce que si on en met une deuxième, est-ce qu'on a autant de. Est-ce que ça fait une deuxième zone? Ah ouais, est-ce que c'est une zone par T ou. Ouais. Parce que c'est une zone par T, ça sert à rien d'en mettre. Moi ça fait une deuxième instance. Ouais. Bah, moi, aussi, hein. Et perso, je la mettrais derrière. Je la mettrais derrière l'église. Et on casse les autres parce que franchement, c'est chiant pour les arbres, ça, ouais. Tu peux mettre les planches que je suis en train de monter, oui. Oh, merci pour le follow, Mimi. Ah, viens, Chitra. Kisou. Arrête de faire ta pub. Je t'ai dit, je t'enverrai mes petits follow quand toi, tu m'enverras les tiens. C'est pas grave. Sur ce, moi, je vais faire une petite pause de récréation. À faire pipi, quoi. Je vais faire pipi. Voilà, ça arrive, hein. C'est naturel. Mais nous, les streamers, on a besoin à un moment. Il y a un moment, il faut faire la vidange. On doit évacuer. Voilà, exactement. A tout de suite, les gars. Je vais me faire cuire. Non, mais tu vois, en fait, les mines, moi je les aurais bien vues dans les plaines là où il y a un peu moins de trucs à looter. Parce que là, c'est un peu chiant, c'est vrai que c'est juste à côté du truc de repop d'arbres. Mais non. On verra bien plus tard, pour le moment, on va déjà s'en servir pour avoir dans la ville et. J'ai vu un mouton ici, est-ce qu'il y a moyen de choper les moutons? Oui, avec le lasso. Ouais. Et ça apporte de la laine? Tu peux les couper avec la paire de ciseaux, quoi? Ouais, certainement. Putain, je l'avais vu, il est où putain ce mouton? Alors, moi il faut. Alors, perso, Mimi, elle a la. J'ai 4 T2 les unes à côté des autres. Donc, ça a l'air d'être des instances. C'est instantané, ouais. Ouais. Bah écoute, on va faire ça.
Il faut dû avoir des sous. Il faut combien? 700? J'ai 30 sur moi et j'ai plein de lingots. Il me semble qu'on a 500 des boîtes de, d'or là. 550 dollars. Mais est-ce que ça vaut la peine de garder la T1 alors si on fait plein de T2? A voir avec l'hydra. Bon, visiblement là. Après, on peut juste faire 3 T2 et comme ça on a chacun une T2 pour quand on va farmer tous ensemble. Pour éviter de se coller les uns dans la gueule. Oui, mais c'est peut-être mieux de, d'être ensemble, non? Bah, ça dépend après. Pour. Je dirais pour pas. Pour pas crever quoi. Et moi, il me faut des lingots de fer par contre pour ma baraque. Ah, moi j'avais continué sur. Attends, merde, je vais faire des planches. J'ai besoin d'un mort de planches. Je veux continuer ma baraque. Bah, mais attends, il se sert déjà des trucs donc. Ouais, mais attends, il doit. Il est un peu solo pour l'instant, hein. Moi je le dis. Scandaleux quoi. Et les Winchester, est-ce que vous avez fait des Winchester, mon bon monsieur? Non, on les a droppés, ceux qu'on a. Vous avez le droppé? Ok. Moi, je vais aller couper des arbres parce que j'avais une putain de... un putain de stock de bois et j'ai plus rien. Voilà. Je me suis fait 150 bois. 150 planches. Ça tourne. Alors, pam, j'ai des lingots d'or, je vais aller vendre les lingots d'or. Vous les vendez toujours, hein, les lingots d'or? Ah ouais. Ok. On est à combien en pognon maintenant? À la banque. Bah, regarde dans le coffre. On doit être à plus de 500 dollars, il me semble. Ok. On s'en mettrait pas, mais tu vois, regarde, là où a été. Enfin, je sais pas. Après, il y a plein de plaines aussi par chez moi, donc, mais bon, il faut pas mettre derrière chez moi parce que moi, derrière chez moi. Je compte faire un rang, donc il va y avoir un truc pour les... Ah mais attends, mais fais ça alors de ton côté, entre toi et moi. Parce que tu vois là où j'ai mis le truc, moi je ferai un énorme range pour mettre les chevaux et tout là. Les vaches. Alors à ce moment-là, on étend depuis la petite ferme que j'ai, jusqu'à chez toi et on fait toute la zone de range là-bas alors. On peut. Et tu délimites ton truc et moi je te donne un coup de main pour looter. La T2 se remplit bien plus vite que la T2, que la T1, et même si les zones sont plus petites, en T2 il y a plus de minerais. Ah, ok. Ok, donc ça repop plus vite quoi. Et fin de la récré. Ah, il a fait son pissou. Ouais, je pense que là c'était pas le pissou là. Bah, ça va. Ah, c'est vrai que là il a mis du temps là. Si vous voulez tout savoir, j'étais sur. À la poubelle, j'ai fumé une poubelle. Ah, c'est ça, c'est le mode code. C'est le mode code. Dans la poubelle, t'as vu ça pour les dégâts? C'est dégueulasse. Ouais. C'est son code, ça. J'ai sorti la poubelle. Ouais, c'est ça. Je suis en train de farmer du bois, je vais me faire des planches, on me les pique pas. Ah, non, mais j'avais lancé des planches juste avant aussi. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a deux jours j'en ai fait et elles sont plus là en fait. Bah, non, quand t'avais fait les. Non, j'avais fait du bois, j'avais plus de 900 bois. Bah attends, on va farmer. Ça, c'est l'ours quand il est passé. Jean-Colin. Jean-Colin qui avait. C'est la faute à l'ours, le premier. Non, j'ai pas utilisé de bois, moi. Moi non plus, j'ai rien construit à part mon église, mais ça, c'est du bois brut donc. Ah, mais justement, on m'a piqué tout mon bois brut. Oh non, j'ai fermé. Ah non, j'ai fermé. Fibre végétale 50. Oh non, tu le vis ça. T'as des fibres végétales J'en ai plus de 200 dans ma charrette. Ah mais non, je mets tout dans ma charrette en fait. Ok, tu peux t'en piquer 50? Ouais, il faut que tu me trouves déjà. Non, j'arrive. Ah ouais, non. Ouais, mais au fric, t'en as pas chez toi? Des fibres naturelles? Non, je sais pas. Non, j'en ai pas sur moi. Non, mais attends. Végétales, pas fibres naturelles. Végétales, non. Du jojoba. Je suis en train d'arriver, tu devrais me voir. Ouais, mais tracasse, je vais aller voir chez Fritz. Mais il t'a dit non, j'en ai pas. Et alors, il en a plus de 1000 chez lui. Pas d'armaker ce mec. Bon, pour le coup, je t'en pique 100 au lieu de 50. Merci, Fritz. Bon, il y a des trucs disponibles là pour le bois là. Ouais, vas-y, balance. Moi, à droite, j'ai fini. Je sais pas où Fritz en était. Bah, je sais pas Bah, apparemment, mecs... tout est fini, hein, les gars. Quoi? Donc, récupérez votre bois. Récupérez vos planches que je puisse le savoir. Je fais ma jardinière. Mec, récupérez tes planches. Ou je te mets un coup de chevrotine dans la tronche. Hein? Ah non, mais attends, il se fout de ma gueule par contre. Tu veux pas? What? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il veut me mettre un coup de chevrotine? Mais non, mais attends, j'ai tout ce qu'il faut et pourquoi est-ce qu'il veut pas?
Il veut pas construire la... Ah si, la jardinière, elle est là. Ah ouais, et... c'est tellement pourri, la jardinière. Et elle prête, là. Ouais, t'obéis au shérif. Va vider tes planches, dégage. Va dégager tes planches. Mais j'en ai plus, attends. Je vais d'abord mettre mon or. Attends, est-ce que j'ai vendu? Non, je vais d'abord mettre mon or dans ton truc. J'ai envie de construire ma maison. De quoi? J'ai envie de construire ma maison. Qu'est-ce qu'il fait? Ajouter de l'engrais. Ah mais non. Mais une petite plaque, alors viens dégager les tiennes. Le mec trop désespéré le mec. Non mais vas-y s'il te plaît, dégage. Oh les fruits c'est chiant. Ah là, tiens, t'as 650 dans ton coffre. Ah, il nous manque $100 pour en faire d'autres. Une deuxième mine. Est-ce que ça marcherait pas en engrais? Vous avez déjà essayé les plantations? Non, pas encore. Mais attends, avant de faire ça, non, mais... Ah, putain, non. D'abord, la mine, mec. Quoi? Ah. Il y a une forge, je suis en train de me faire 20 lingots de métal, essayez de me les laisser, s'il vous plaît. Celle de droite. Non, ça marche pas, en fait. Ajouter de l'engrais, plante de récolte. Niveau d'eau, je comprends pas. Retirer la plante, ajouter de l'engrais. Non, il n'y a rien qui passe en fait. Je sais pas ce que c'est l'engrais. Je sais pas ce que c'est la plante de récolte. Que dalle. Putain de bug. Non, ça marche pas. Bon, je sais pas ce qu'on met dedans. Qu'est-ce qui pourrait servir d'engrais? Je vois. La viande pourrie peut-être. J'ai essayé, c'est ce que j'ai pensé direct et ça n'a pas marché. Donc ça marche pas. Ok, qu'est-ce qu'on a comme fric? Qu'est-ce qu'il nous reste comme fric? 650. $650. Encore 100 dollars et en fait on peut en mettre une deuxième mine T2 parce que nous l'a confirmé Mui, on peut en mettre plusieurs. Ouais, ok, mais est-ce qu'on ferait pas plutôt, on viserait pas genre l'hôtel, le shérif ou autre chose? Tu vois? Et ils sont chers, donc on a. Mais non, assez, ils sont pas si chers que ça, c'est 1000 balles, ça va. Pas si cher même le train. Mais les gars, il faut viser quelque chose parce que là. Ouais, il faut viser quelque chose. Tu vois, le barbershop, bon, à rien, la banque. Barbershop, on s'en fout. Par exemple, la banque, ça pourrait être sympa. Les tables, c'est cher, c'est 6000 balles. Ouais, 6000 balles, il va falloir du temps, c'est pour ça qu'il nous faut d'abord d'autres mines T2, qu'on puisse farmer beaucoup plus et plus vite. Mais non, ou déjà vendre tous les lingots d'or, c'est pas mal. Pas les rollbacks que je me paye moi. Non, c'est pas un rollback garde là ici. Là ici, il y a un truc invisible là, entièrement. Ah là, t'es d'accord. Je me suis tapé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a en lingot d'or? J'en ai 5 là, je te dis ça. Il y en a 48 qui doivent se faire, mais il n'y a pas de charbon dedans donc il ne peut pas cuire. J'en ai du charbon. Tiens, en enlevant, j'en ai mis. Okay. Au pire des cas, enlève du minerai parce que. Parce que t'as vu, là il n'y en a pas. Et là ici c'est mes lingots de métal qui sont en train de se faire. Oh mais j'ai des... Oh là là, mais j'ai des rollbacks, un truc de fou. Ouais. J'ai un lag de dingue. Non, là il y a 47 lingots avec les 5 que j'ai vu, ça nous offre. Vous en avez combien dans vos... Moi j'en ai 5 plus 48. Tu comptes. Ouais non mais tu en as combien maintenant que tu puisses revendre? Moi actuellement j'en ai 6. 6. 7. Oui. Quoi? Rich, ça combien de lingots? Mais j'ai tout vendu, j'ai tout mis dans ton coffre donc. C'est pour faire quoi en fait? Pour mettre une deuxième unité 2, tu veux faire? Non, moi je viserais carrément le blacklist sous les tables, tu vois, on vise plus cher quoi. Non, mets une deuxième T2, mets une deuxième T2. On va faire quelques bandits, oups, histoire de. On peut, pour faire des balles. Ouais. Parce que là franchement, balles. Quoi que niveau balles, j'ai pas plus une seule balle moi. Non. J'ai plus que les balles de Winchester. Oh, mais ça lag trop! Ouais, j'avoue. Et là, vous avez tout pris? Ouais. Ok. Oh là là, ça... Oh là là, il va se faire engueuler. Quoi? Au cas où, avec les 10 lingots que j'ai, on a assez pour se prendre une deuxième mine T2, au cas où. Ouais, mais moi j'irai vers la deuxième mine T2. Ah hein. Non, moi je trouve que c'est pas... Les plantations marchent... Attention, les plantations marchent pas, elles sont buggées. Le train est utile pour faire un tracé du désert jusqu'à chez vous pour vous envoyer du soufre et autres minerais qui sont à foison dans le désert. Voilà. Soufre et c'est la gogo.
Ouais, mais avec la mine, le truc, c'est que... Mais il faut voir le temps de repop de la mine, simplement, tu vois. Ouais, la mine T2 repop très vite, apparemment. Ouais, moi j'irai sur la mine, hein. Perso, j'irai sur la deuxième mine, quoi. Mais non, si elle repop vite, t'en fous. Ouais, mais t'as deux fois plus d'or. Au pire des cas, les gars, on laisse une mine. Quand on se connecte tout seul, chacun de notre côté, on va miner tout ça. Et ceux qui voudront se mettre une deuxième mine, ils pourront le faire avec l'or qui se feront en ce moment-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je sais pas, moi... Moi, j'aurais laissé une mine, c'est largement assez pour le moment. Et je serais parti sur autre chose, pour voir un peu ce que ça peut rapporter. Ah, moi, j'aurais rajouté des mines pour avoir plus d'or, pour justement avoir plus vite les trucs. Bah, je suis pas sûr que tu en ailles plus. Bah, tu prends, si, parce que Mimi, tu prends Mimi, elle a 4 mines. Elle. Ouais, moi, je prendrais les mines, et puis je mettrais des mines pour avoir suffisamment d'argent qui tourne. Okay. Et puis, avec tout le pognon, tu fais ce que tu veux après, quoi. Enfin, moi, je m'en fous, c'est vous qui avez le pognon. Remets une mine, c'est bon, ça me va. Je vois l'idée. On laisse le choix au shérif. De connard. Ça vous va ça? Non mais shérif c'est pas mère hein. Et fais-moi peur. Omar. Non mais on peut aller. Tape une deuxième mine alors ouais c'est bon. Moi j'aurais écho pour faire autre chose, mais ouais. Hop. Juste pour découvrir, tu vois. On va déjà voir combien on a. Bah, tout d'abord, on va découvrir assez vite si on a les mines aussi, comme il dit. Au plus on a de mines, au plus on va faire d'or, comme il a dit. Et au plus, Ouais, tu te fais une deuxième, une troisième, et puis tu la fais tourner, prends, quoi. Tu te prends, par exemple, je sais pas moi, 4 mines, tu fais une mine, tu fais une soirée, par exemple, full mine. Ouais, le temps que ça repop, les trois autres pop, bah tu fais la quatrième, puis tu repars sur la première. Ouais, mais vu qu'on n'a pas le temps de repop, tu vois, est-ce que ça repop si lentement que ça, c'est ça que je veux dire. Je sais pas. Mais on a 820$ là. Du coup on fait quoi? La mine? Non c'est l'heure de la prière les gars. Non je m'en fous. La mine T2, je fais 3 fois par jour alors que T1 2 fois. Je rase 4 mines rien qu'en or, j'ai fait 5K en moyenne. Ah ouais quand même. Mais sinon t'as dit combien? Combien en une journée à peu près. Elle fait 3 fois par mine pour une T2 et elle fait 4 mines rien qu'en or, j'ai fait 5K en moyenne. Moi ouais, je dis ça le vaut. 5 000 à peu près par jour. Ouais, moi je crois que ça vaut quand même la peine. Ouais, t'es un Mac ou De quoi? Arrête toi. Allez, je prends une mine. Hop. Ça, c'est fou, écoute ouais, écoute Mimi, on recrute une mineuse. Une mineuse, pas une mineure. Hein. Bah, attendez, ça dépend de son âge, elle a T2 en fait. Elle a peut-être mineure. Mineure, mineuse. On sait pas. Mais claque la T2, moi je veux bien. C'était juste. C'est bon, je l'ai pris la T2. On m'a dit que c'était l'heure de la prière, donc moi j'arrive. Oh putain, ils vont me cacher avec leur prière. Ah, c'est bon, vous êtes en retard, il est déjà parti. Comment ça? Bon, moi je me mets au fond près du radiateur, comme ça, si je veux sortir. Bon. Attendez, moi j'y arrive! Allez, hop! Alors, Dieu a dit. Pas de boogie woogie ce soir, et hop, tout c'est la mine! Allez, on va se faire de l'or, on va se faire des boules! Allez hop! Hey. C'était quoi ce moment? Regarde, en plus, pendant qu'il était à prendre son sermon, regarde comment j'étais moi! Non mais, chopez-le! C'est la récré, les gars! Allez hop! C'est un faux pasteur, chopez-le. J'avais les loups depuis le début, mais c'est un vrai faux pasteur. Chopez-le. Chérif, j'ai une plainte. J'ai une plainte à déposer. Je voulais me rebondir, j'avais fait plein de trucs dégueulasses. Je suis parti à la mine. Oh, c'est ça qu'il... Oh, mec, c'est ça qu'il faut que je me fasse. Il faut que je me fasse un confessionnel. Oh, ça va être tellement sale. Tu prends deux shots, tu les colles. Qui est-ce qui veut la mettre, d'ailleurs, la mine, tiens? Ce serait pas toujours le même qui la met. Non, vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, mais attends, mais non, mais pourquoi tu veux la mettre ici en haut? Ah, bah tu la mets ici en haut. On coupe tout. Ok, ouais, ça va. Ok, ah bah ouais, ok. Hey, tu veux le faire? Non, vas-y, c'est toi le shérif. Oh putain. Vas-y, je la mets où? Dans ton cul. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont eu des soucis par rapport à ça. Il y en a qui ont essayé. C'est
Au secours, les gars. On n'est pas aidés. Oh, tu me l'as mis sur la tronche. Par ouais, contre... Oh oui, bien aligné, ça bien, c'est joli. Ouais, pas super bien aligné. Par contre, quelqu'un a du... il nous faut du pétrole. Bah, il faut reprendre de l'huile d'à côté, non? Bah, je sais pas si on peut la reprendre. Ah, il en reste que 9. Ça va être sérieux, tellement... déjà. De quoi? Ouais, donc en fait, il nous faut plein de... Moi, je propose qu'on mette les trucs à pétrole pas loin, tu vois, genre... Bah ici. Ouais, c'est ce que j'avais proposé au début, hein, on m'a dit non. Ouais, mais je comprends pas pourquoi... Ne me dis pas que t'as enterré Bourbon, parce que Bourbon, il était là. Je vais te rentrer. Regarde où je suis. Il est extra, regarde où je suis. Mais non. Bon, vous allez dans quelle mine? Oh, Frix, regarde où je suis. Mais il faut qu'on aille chercher de l'huile. Attends, je vais chercher. Bon, moi, je vais dans la deuxième. Hein. Mais attends, il y a pas d'huile. Tu peux pas rentrer, du coup. Vas-y. Mais enfin, tu rigoles. Il faut de l'huile pour rentrer. Bah oui. Oh, putain. Le premier, il faut de l'âne. De l'âne. Il faut de l'âne. Du coup, ce que je pense après les gars qu'on a fait cette huile là, qu'on l'a récoltée et tout, ouais. Il va falloir qu'on fasse d'autres pompes à huile parce que là, franchement, ouais. On va être une galère. Ça, c'est mon choix, alors on dégage. On va être vraiment galère. Là. Ah, il est bien placé, franchement. Parce que là, tout de suite, en fait, j'ai 8. J'en ai 8. Attends, il y a encore de l'info. Il y a une technique aussi si vous voulez un Mustang couleur pure comme tout noir, tout blanc, tout crème, etc. Ah bon? Ah, je la veux bien. Moi, je veux un noir. Full noir. Ah. Moi, je veux bien savoir comment un Mustang devient tout noir à tout blanc en une nuit. Mais là, j'ai un Mustang tout blanc, moi. Ah ben, moi, j'avais un Mustang tout noir, et il est devenu blanc et noir après une nuit. Toi, tu trouves qu'il est tout blanc, ton Mustang, Frix? Ouais. Ouais, bah, va t'acheter des lunettes. Il a la queue et la crinière grise. Oui, d'accord, mais il est tout blanc. Donc, il est pas tout blanc. Non, mais enfin, ça va. Non. Quand tu dis un Mustang tout noir ou autre, la crinière, la queue, tout est noir. Ouais, ça va, c'est bon. Ça va, il est stylé. Ah non, franchement, Isra, t'es d'accord ou pas? Ah, complètement. Ça va, regarde. Attends, si tu regardes bien la crinière sur le côté gauche, elle est grise. À droite, je l'ai rasée, donc ça fait comme si c'était et bon. Et donc, quoi. On peut avoir la technique ou... Oui, mais non. Bah c'est pas grave. Mimi, tu veux pas venir sur le Discord et tu nous le balances dans un... Vas-y, Mimi, on est curieux. Vas-y, balance, Mimi. C'est bon, on peut pas rentrer, là? T'as mis de l'huile? J'ai mis de l'huile, ouais. Ouais, et si tu fais activer, c'est mieux, en fait. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ok, d'accord. On peut rentrer. Profitez de rentrer, hein, les gars. Et faut pas sortir, par contre. Non, je pense pas qu'il faut ressortir. Par contre, on a pas d'arme, hein. Si, moi j'ai ma pioche. J'ai ce qu'il faut pour rentrer dans la mine, c'est parfait. Je parle en munitions, vous avez des munitions? 4. Ouais. Ouais, j'ai un peu. Non, ça va, j'ai 17 balles de Winchester et 4. Bon, ça va, donc avec Isra, il va falloir qu'on protège Frix. Ouais, okay. Ah, c'est à cause du mini patch de ce matin. Ça a causé un bug recolore sur tous les chevaux. Ah, voilà! Ah, Isra, on sait pourquoi ton cheval a changé. Il y a eu un mini bug ce matin et ça a recoloré tous les chevaux. Ah, bah merci. Ah, bah je remercie les auteurs. Eh bah, il a pas été recoloré, j'ai eu du mal alors, Isra. Je vous. Oh! Attends, je recharge. Attends, vieux con, je recharge. Salut à ceux qui nous rejoignent. Oh, il a eu mal celui-là. Ah ouais. Une grande pioche encore gros. Ah tu l'as. Ah ouais, je les loot. On est 4 à des grandes pioches déjà, les gars, droppées depuis tout à l'heure. C'est celle que Frix il a droppé, franchement on a plus besoin de se faire de pioches. Et les pioches et les haches mêlées Mais je suis forgeron. On va faire un coffre avec justement, on peut faire une petite baraque, une toute petite à côté des mines. Mais non, faut ça chez le forgeron. Mais faut ça chez le forgeron là, et à côté de son établi. Non, on mettra un blacksmith. Mais et là c'est quoi? C'est le frère de Will Smith. N'importe quoi. Comment vas-tu Falco? Bienvenue à toi. C'est moi ou ça bug moi là ici pour miner? Bienvenue à toi petit viewer, je ne sais pas qui tu es mais fais un coucou sur le chat qu'on puisse savoir qui tu es et on peut discuter de Outlaw. On est en plein et minage. Du coup, comment qu'on fait pour avoir les Mustangs à coup sûr? Ah je ne sais pas. Mimi, je ne sais pas si ce qu'on fait pour avoir le Mustang. Ouh, j'ai un mec ici. Viens vers nous. C'est un gros. Et il y a une zone, une salle. Je vais me faire un café. Ok, bon café, Mimi. Il est où? Attends, je mets mon flingue. Oh, attends. Pour moi. Ah, enfin. Mais ça c'est la salle qu'on a fait tout à l'heure.
Je sais pas, mais en tout cas, c'est bien. Mais non, c'est la même. C'est la deuxième mine. Ah oui, c'est la même que tout à l'heure. Donc... Mais non, c'est la deuxième mine. C'est pas la même. Je crois qu'on économise des balles, les gars. Elles sont identiques. Ah ouais, on économise des balles, on met des doubles balles. Mais en fait, il faut 3 coups pour les tuer si tu les mets en pleine tête des balles. Ah ouais. Mais seulement pour les gros, pour les ceux avec la grosse hache et tout ça, il faut plus de coups, je pense. Oh, bon, allez, je. Allez, tape et ça me prend rien. Isra, il a eu peur de prendre un putain de coup là en passant. Tu m'étonnes. Là, il y a du minerai tout ça ici, ils le font même pas, les gars, quoi. Ah, mais c'est quoi ces mineurs du dimanche? Bah, du coup, Isra ne l'a peut-être pas encore prévenu le viewer. S'il y a des gens qui jouent à Overwatch. Ah, j'ai pas encore prévenu, mais ça va se faire en petit comité, comme je disais. Ah mais bon, même là, si j'ai... tu ramènes plus de monde, c'est pas grave, Ezra. Ouais, non, mais en joueur, je... Rien de ceux qui jouent, peut-être. Bon, et qu'est-ce qu'on fait s'il y a du monde qui cherche à Outlaw? Le problème, c'est que s'il y a du monde qui cherche à Outlaw, on a que 4 places sur le serveur, donc... Ouais, mais justement, c'est justement ça que je demande. C'est si jamais il y a... Est-ce qu'on ouvre à 10? Est-ce qu'on ouvrirait pas à 10? Mais d'abord on fait un appel et il faut que les gens confirment sur... S'il y a des gens, s'il y a des viewers, par contre, par exemple, Falco vient d'acheter le jeu, il me le dit à l'instant. Par contre les serveurs officiels sont totalement à la ramasse. Ben écoute, nous pour l'instant on est sur un serveur privé, gasoline, comme on fait souvent. Quand on teste un jeu, c'est qu'on achète le serveur et puis on le teste là-dessus, sans s'embêter avec les autres. Et n'hésite pas si t'as envie de venir tester le jeu chez nous. Et ramène du monde. Tu claques le petit follow, on ouvre des slots, il n'y a aucun souci avec ça. Parce que ça serait bien en fait qu'on ait d'autres joueurs aussi qui passent peut-être une ville aussi et qu'on fasse des échanges. Ah ouais, complètement. Ouais, ça peut être cool ça. Et tout ça, ça pourrait être pas mal. Mais là pour l'instant, je viens de relancer le serveur à 4 slots, mais je vais le monter quand je veux. Donc, aucun souci. Par contre, il y a des moments où tu sais pas avoir le minerai. Ça. Ouais, c'est chiant. Il y a des endroits que c'est vraiment casse-couille. Je vais te placer, je comprends pas très bien. Ah voilà. Non, ça marche plus. Ouais. Et donc, du coup, en fait, c'est vrai que toute la partie PVP réelle. Donc, le serveur ici est en PVP, mais comme on est en 4 pour le moment, c'est pas encore trop utile, surtout qu'on est dans la même ville. Donc, on n'a jamais testé le vrai jeu PVP. À test par la suite. Bah, on va lancer une petite invitation parce qu'il y a plusieurs trucs qu'on va lancer aussi. Je vais relancer le barbuck gazo aussi. Ouais, faut pas que j'oublie. Mon dieu. Ouais. Sinon, on voit plus Akam. Ah ouais. Mais là, je préviens cette année-ci, je dors chez toi. Bah écoute, t'es la bienvenue. Si j'habite à 500 mètres. Et on mettra des photos sur le Discord. Ouais, ça pourrait être un Instagram juste pour ça. ça serait fun. Ça, soirée gazo. Ça va être fabuleux. Ah, ça serait cool. La pierre, je pompe. Il faut inviter Testu dans ce cas-là, les gars. Ouais, on lui fait dire en live, on le filme et tout ça. Putain, mais t'en as pas marre de me foutre ta pique, là. Bah écoute, c'est toi, hein, c'est ta faute. Oh, y'a un bonhomme là. Ah bah, démerde-toi. Oh, il veut se battre avec une cage. Il va te taper avec une cage, gros. Il t'a défoncé la gueule. Oh. Oh là, laisse-le moi, merde. Non, c'est moi qui l'ai eu. Bah, 4 pommes vertes, y'a même pas de truc ou quoi. Ah bah, bien fait. Par contre, t'as vu quand il t'a tapé, t'as tapé une cage à oiseaux. Mais bon, aussi, hein, le précédent aussi. Bah oui, c'est celui qui détecte les gaz. GG à toi. Bonjour à toi, le viewer qui donc vient d'arriver. Pour le barbuck gazo, il faut inviter Etestus et lui faire dire « Vas-y, fouette-moi, je suis vilaine. » Il l'a fait tout à l'heure en live, je te jure. Et on prépare un vrai fouet, tu vas voir, il va avoir un truc de sa vie par contre là. Oh, le nombre de fois qu'on a dit ce genre de truc, non? Bah, c'est surtout le nombre de fois qu'on l'a fait. Ça nous choque pas, hein. Ouais, mais là, si tu le mets sur le Discord et tout en plus, tu imagines la répute sur son Twitch, on va lui balancer le lien. Le nombre de fois qu'on a déjà cassé, nous. On va lui balancer le lien sur son Twitch, il va être trop drôle, les gars. Ouais. Il va regretter, il va dire non, les gars, arrêtez.
Comment dégager la dignité d'un homme en une journée, même pas. Mais je veux pas le bousiller, moi. Je l'aime bien, Tessie. Ah, oh, mais moi aussi, je l'aime bien. J'ai juste lui faire perdre sa dignité, c'est tout. Enfin. Et donc, pour ceux qui sont là, parce qu'il y a un petit peu de monde. Tournoi Overwatch intercommunauté le 10 mai. On verra pour l'heure après. Oui. L'inscription se fait en sub. Tu vas te calmer. L'inscription se fait par deux subs, un sur Isgra et un sur Frix. Dès que vous avez fait vos deux subs, vous êtes enregistré. Ça c'est plutôt un ouf, t'aurais dû lire ça, Poustache, mais bon. Donc du coup, je disais, l'inscription est maximum. Mais enfin, tu vas te calmer avec ça. Putain, putain. Mineur du dimanche. Il y a encore plein de rien dans cette salle là. Ouais. Donc je disais, l'inscription c'est pour le 7 mai maximum à 20h, il me semble qu'on avait mis, c'est ça? Au niveau des équipes, oui. Non, même pas, non, il n'y a pas d'équipe ou quoi que ce soit, on verra comme on a dit. Participants. Non, mais au niveau des participants, des joueurs. Ah, ouais, tu te prépares pour les bosser, Mimi. Mais by the way, Mimi, tu bosses dans quoi? Dans les mines. Dans les mines. Il va pas te lâcher avec ça. Elle habite en Pologne, elle fait ça. Pontier, elle habite pas dans le nord aussi. Ah, est-ce que t'es quoi? T'es dans France ou... Oui, on est au plus au nord, hein, nous. C'est nous, on est encore plus au nord que toi. Mimi, vous êtes en Belgique, vous êtes pas en France. Mimi, tu es de quel coin, Mimi? Non. Oups, Frix, oui. Frix, je suis là. Qu'est-ce que c'est? Il veut pas, celui-là. Je suis surchargé, je me barre. Par contre, je me suis baladé et j'ai trouvé la map vide, excepté les animaux et les... Oui, oui, mais ça c'est... Oui, bien sûr. Il n'y a pas de ville de route et... C'est autre. Normal, les gens... Ouais, bon, ça commence. Et donc... N'oubliez pas qu'elle est encore à peine en alpha, hein, en bêta. Il y a encore le développement. Bon, moi je sors aussi, hop. Donc Mimi, tu travailles de nuit. Et... Quoi? Regarde où tu te dors! Oh merde! On va se péter la gueule! Toi aussi! Oh merde! Mec! Attends, on laisse Isra de sortir avant et on... Ah, on aime! Et pour un shérif, c'est bon, j'ai une bonne position de spectre! Là, je suis pas française et... Hein? Il est 6h ici! Oh, toi t'es canadienne! Ouais! Oh, t'es dans le Grand Nord! Bah écoute, pour le barbecue, ça va être difficile. Oh non, c'était les corons. J'attends qu'Isra y sorte. Isra, tu sors bientôt de la mine ou pas? Oh putain, il est le bug. C'est vraiment bugué. Hein. Déjà que j'ai pu mettre la deuxième mine comme ça, franchement, c'est vachement bugué. Oh putain, la descente que j'ai fait. Oh, il me reste 22 balles de... Ah, non du tout. Ah, tu es de quel côté alors, Mimi? Je suis japonaise. Oh, waouh. Ah ouais. Tu veux m'épouser? J'aime bien le japonaise. Ça y est. Ah, je te jure, j'aime bien le Japon et tout en plus. On va voir un petit coup. Voilà, ça c'est fait. Mais écoute Mimi, si tu viens nous faire un petit coucou sur le Discord à l'occasion, quand tu es dispo. Dès que tu es connecté sur le Discord, je te mettrai membre comme ça d'office. Vous êtes sorti de la mine? Oui. Aux okay. Différents... C'est où la sortie? Je sais pas. On a perdu les droits du coup. Ah ouais, non, mais complètement, là j'étais en train de parler avec Falco. Et j'ai perdu la... Non, c'est bon. Et by the way, Mimi est japonaise. Oh, mais écoute... Voilà, comme ça tu sais. Welcome Mimi. Oh, je suis sorti de la mine par le toit, mais carrément. Nous aussi, on l'a eu aussi. Oh la vache. Et Bourbon, il est où? Bourbon, il est là. Eh ben Mimi, bienvenue. Est-ce que tu as, Mimi, le lien vers le Discord? Je sais plus si je l'ai claqué ou pas.
Bah, bêtement, le lien vers ton teammate, elle l'a même pas, tu vois. Tu normalement le tout. Ouais, genre, tout. Non, elle l'a pas. Je suis sûr qu'elle l'a pas parce que, tu vois, par exemple, c'était moins bien organisé en que streamer pour faire plaisir aux copains. Si, que moi, par exemple. Moi. Oh, monsieur, je fais ma Winchester. Ok, 250, c'est bon. Par contre, les gars, quand vous enlevez les minerais, pensez à éteindre les feux. Économie de charbon. Ouais, mais bon, voilà. Là, ici, c'est les lingots de fer. Ok, ça tourne. Ah ouais, mais en fait, vous faites tout. Ok, bon, voilà. Moi, je me fais des branches. Ok, qui a mis l'or? Ok. J'ai mis tout l'or dans un truc, comme ça au moins. On groupe tout par. Pas mieux, sinon après, chaque fois on va être en galère. Merde, ça va faire trop de minerais différents dans nos pots. Ouais, non. On dit que là on peut laisser stocker, c'est pas grave. Ok, là, c'est normalement. Bon, c'est bien. Avec plaisir, merci. Okay. Falco, c'est super plaisir. Pour ton petit follow, merci à toi. Falco, hésite pas, hein, comme Israël dit souvent, à venir chez Frick. Moi, j'ai dit que tant que F-R-E-A-C-K-X ne sont pas venus chez moi, me claquer un petit follow. Moi, j'en vois personne. Moi, j'en vois personne tant que Mortality. Ok, Mimi. Impec. C'est juste moi. J'adore le Japon, Mimi. Je suis moi-même à moitié japonais. Si tu viens sur ma chaîne, tu comprendras. Il est à moitié. Il est surtout à moitié. Il est surtout à moitié. Je n'utilise que des petits chevaux. Les trois aussi de droite, c'est mes trucs. Essayez de les laisser dedans. Ok. J'ai besoin d'un sermon, mon père. Ah bah attends, je viens. Mais j'ai besoin d'un sermon de l'église. Mais pour mon malade. Alors, viens. Tiens. Je te pardonne, mon frère. Non, c'est pas mon frère, normalement, qu'un prêtre. J'ai péché, mon frère. Mon fils, tiens. J'ai péché, mon père. Pars en paix. Aïe. C'est mal. Mon père. Oui. Mon père, juste, oui. Je vais encore pêcher une fois. Ah. Oh, l'enfoiré. Oh, l'enfoiré. Non, mais attends, pasteur de mes bon. Non, mais ça va pas tirer sur le peuple comme ça. Oh, je vous jure, chérie, attention, je vais me transformer en Vélocipastor. Oh, oh, les gars, il y a un ours dans le coin. Bah, c'est pas grave ça. Où est-ce qu'il est l'ours? J'entends. Il entend un rack. Mais non. Oh, attends, j'ai des relais. Il est où? Il est où cet ours? Ah, oui, il est dans ta baraque. Ah, oui, tu rigoles ou quoi? Ouais, j'ai l'impression qu'il est dans la baraque. Hein. Attends, ouais. Je te jure, j'ai l'impression que c'est dans la baraque ici. Pas dans la grande, dans ta baraque. Oula. Je sais pas, j'ai eu la. Il est dans le fond. Il est dans le fond, je l'ai vu. Il est derrière là. Derrière la pompe à eau. Non, ici y'a rien. Ouais, il est ici derrière la pompe à eau. Là. La pompe à eau. On a une pompe ouais, à eau. Ouais, c'est bon, voilà. J'ai eu le butin. Ouais, là, si tu prends l'eau ici, tu peux prendre l'eau. Oui, d'accord, mais Mais tu sais que ça c'est pas une pompe à eau normalement. C'est pour les trains, t'es au courant. Oui, mais bon, voilà, c'est tu très bien. Faire passer la ligne de chemin de fer juste. Mais ça va, quelqu'un... c'est bon. J'ai entendu quelqu'un se plaindre ici. C'est qui? Oui, c'est moi, shérif. Est-ce que je peux vous voir dans votre bureau en prio? Allez-y, venez. S'il vous plaît. Parce que. Que tu laisses mes planches, toi. Non, je te vois mieux, tu laisses mes planches, dégage. Attends, j'en construis, putain. Moi, je suis en pleine plainte. Ouais, il en construit, hein. J'en avais mis 33 par chaque truc, il n'y en a plus que 32. Ah, et voilà. Et le shérif, voilà, on... Mon fils, Dieu te le rendra au quintuple. Il y a une petite sonnette pour appeler. Ah, putain. Oh, la balle perdue. Bon, ben, je vais repousser mon rendez-vous alors.
Mais putain, mais mec. Tiens, t'en veux encore une? Le prêtre là, hein, qui tire sur les gens. Eh, dégage, dégage, c'est ma charrette, dégage. Dégage, casse-toi, casse-toi. Ah, mais putain, hé. Eh, hey, shérif, si t'as ta moralité zéro, t'es plus shérif, ok? T'as combien de moralité maintenant? Shérif, 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 on irait pas se faire quelques brillants histoires. Arrête, arrête, tu tues mon châle, tu tues mon châle. Quoi? J'ai 8500 de moralité, donc ça va très bien. Non mais attends, sérieusement, il m'a piqué du bois, il m'a piqué des trucs. Non mais arrête, Je t'ai pas piqué de bois, putain. Il va dire que c'est... Dans deux minutes, il va dire que c'est ta charrette, arrête. Prête, Isdra, regarde ma charrette. Regarde ma charrette, Isdra. J'avais plus de 300 stacks de bois, il m'en reste 126. Oh mais ça, si tu fais n'importe quoi avec. Attends, je confirme. Et là, il y a une cloche et deux cloches. Non, mais bravo. Non, mais t'as vu, non, mais il vient et il pique le matos de tout le monde, en fait. Donc, C'est pas vrai, c'est pas vrai. Cours, cours en zigzag, on arrive. Et regarde, il a encore pris des planches. Hein. Mais non, j'ai pas pris de planches. Oh, parano, va. Mais c'est une véritable raclure, ce mec. T'es un parano. On va aller faire quelques brillants. Je vais attendre que mes blanches finissent pour les prendre sur moi, parce que bon... N'importe quoi. Merde, je me suis planté. Allez, le temps que ça chauffe, viens, on va... Là, on peut aller tuer, sinon, au pire. Hein. Je suis sûr qu'il doit avoir des balles à récupérer sur le... Sur le pasteur? Non, mais c'est bon. Bah si, attends, vas-y, les curés, c'est bien connu, c'est les plus riches au monde. Oh, il pète son église. Tu l'as vexé. Ça y est, il change de religion, c'est mort. Ouais, mais j'ai encore des balles pour le tuer, donc je m'en fous. Non, mais le tue pas. Ah, voilà, ça claque, cheval, ça. Prends ton cheval, qu'est-ce qui claque? Ah, oui, putain. Traduction, j'y vais, bonne nuit, à vous et à plus. Ah, il y a Mimi qui fait Anio Yasumi Nasa et Matane. Alors moi je retiens que Matane. Moi je te dis arigato. Et ce qu'elle dit c'est j'y vais, bonne nuit à tout et au plaisir. Eh ben, merci Mimi. C'est pour ça que je lui ai dit arigato. Le kisou, le kisou, Mimi. À bientôt Mimi, ciao ciao. Ciao, ciao. Merci d'être venu. On et merci pour le follow. Je récupère mes planches, je t'ai dit avant. Il y a un voleur dans le coin. Ouais, c'est ça, tu veux vraiment. C'est avoir n'importe quoi, putain. Et oh, j'en ai quand même mis pour me faire 100 planches, j'en ai 74 gros. Hein. Psst, au pire, j'en ai chez moi des planches, tu veux. il va les voler. Attends, je dis pas les trucs précieux dans ma charrette. Non, mais vas-y, fais te plaisir, y'a pas de soucis. Je vais faire les trucs précieux parce que lui, il va me les. Non, mais non. Non, on n'est pas aidé, je te dis, on n'est pas aidé. Vas-y, la pierre, je me l'ai, mais le reste, je le prends. Attends. Tu pars avec le chariot, toi. Bah ouais, mais normalement j'avais fait pour le détacher, il s'est rattaché. Le shérif chargé. Tu viens avec nous, ou le pasteur? Non, il vient pas, c'est un voleur. Il va voler nos corps. Ça, c'est tout barat, là. Ça, c'est à Carig, ouais. J'ai jamais visité. Non, mais je pense qu'il a commencé. Est-ce que je peux prendre une masse et la détruire? Non. Non, en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'il avance un petit peu sa maison. Elle est juste pas hyper bien placée par rapport aux autres. Mais c'est pas très très grave. À part et ça, après, il pourra toujours la refaire plus tard. Mmh. Ouais. Par contre, moi je pars et je crève de faim. Ah non, je vais prendre un petit steak sur mon cheval. Ça va être bien. Voilà. Alors, par ici, il devait y avoir déjà un petit camp. Et alors, l'autre. Ah là. Oh, combien ils sont? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu les vois? Non. Juste là devant moi. Ah là-bas. Allez, pour tout le mec. Ouais. Oh, chef de bandit mort. Oh, Alors, on essaie de les looter au plus vite parce que sinon, on met. Hop, j'en ai tué 3. GG, il y en a encore un là, ouais. Il y en a encore un plus lent aussi. Hein. Ok. Oh, ça recharge tellement lentement, voilà. Vas-y, viens, mets-moi quelques balles, je m'en fous du con. Oh, mais la recharge est tellement lente. Donc t'arrêtes de bouger. Merci, il la prend la balle, connard. Hop, ah, 5 munitions, cool. Normalement, il y a encore un cadavre, ici, là, voilà. Hop, revolver, foulard, money, ok. Mais il y en avait un autre, non?
Je l'ai tué, le chef. J'en ai récupéré 4, j'en ai récolté 4 moi des bonhommes. Et moi j'en ai récolté 2, ouais, plus celui-là, ouais, ok. On est bon. Mais alors en fait, tu vois les rochers là-bas, droit devant. Attends deux secondes, je regarde combien que j'ai chopé de balles du coup. Oh, moi j'ai chopé un ours. Salut Toto. Audrey. Oh, Bourbon, t'es bourré. Pas dans les rochers. Oh putain, je vais mourir bêtement. Voilà, non, c'est bon. Merci. Par contre, je trouve le son vraiment bien fait. Oui, les sons sont excellents, Falco, je suis d'accord avec toi. Ah mais ça c'est sympa, hein. Moi je dis le franchement. Ouais, non, le jeu, l'ambiance sonore est géniale, je trouve que l'intro. Eh, hey, je me suis fait 35 balles hein, quand même. Elle est juste magique. Tu vois le grand rocher là, il y a un clan qui tourne autour. Le clan je sais plus comment il s'appelait. Le clan McBurry. Exactement. Le clan McLeod. Non, ça c'est Highlander. Ouais. Merci. Le clan MacGyver. Je sais. Mais non, il y a comme voleur Fritz aussi, sinon, au pire. Ouais, ah tiens, le clan. J'ai rien fait, c'est pas moi. Le clan de Frix, ah tiens, ça c'est de l'or. C'est du soufre. C'est pas moi. Là-bas il y a un cheval, ouais, je vais regarder si c'est pas un pur sang. C'est plutôt pratique, mais voilà. Non, c'est pas un pur sang, je le vois d'ici. Ah, ou alors c'était à ces rochers-là, peut-être. Ouais, c'était après la rivière. Tu vois d'ici. Je le reconnais, sa croupe. Je sais que c'est pas un cheval. Un chèque surtout, c'est pas un pur sang. Pas un Mustang, ouais. Ah là. Hop. Ah merde, c'est un cheval. De loin, je te jure, je crois que c'était un bonhomme. Ah ouais, non, mais parce que j'étais en train de me dire, mais sur quoi il tire? Non, mais vu de loin, avec sa queue qui descend, tu te jure, je crois que c'était un bonhomme qui était... qui avait... T'as cru que c'était un prêtre? Mais enfin. Pardon. Avec sa queue qui tombe. Ouais, non, mais... Bah écoute, si t'as la question, ça c'est pas notre problème. Salut à ceux qui rejoignent. Oh, bien, on va aller plus par là, hein, du coup. On va... Mais non, là, si, c'est par contre, j'ai complètement. Il y a mon live, qui... mon chat qui est parti en vrille. Je vois plus les gens qui sont là, mais bienvenue à vous. Moi j'ai mon chat à côté de moi. On est six, bienvenue à vous. Welcome, n'hésitez pas à cliquer. Chat à côté de toi. Ouais. Mon chat. N'hésitez pas à cliquer le petit bonjour qu'on sache que vous êtes là. Qu'on sache que vous êtes là, exactement. Ne venez pas en ninja, arrêtez de venir en ninja. Bonjour, ouais, je veux un pur sang noir. Ouais, moi aussi, ouais, parce que du coup, Bourbon, il me plaît plus trop là. Et alors, l'ennui avec les. Bonjour, banquier, je viens me déposer. Les PNJ, c'est que souvent, ils vont se bugger dans les rochers. Des deux dents. Ils avancent comme des cons. Ouais. Mais ça, ils devraient refaire, tu vois, c'est ce que je disais l'autre jour, c'est la vitesse cheval à pied. Mouton. Shérif, je dépose 710 balles dans votre coffre. 710 dollars. Ah, j'ai pas encore, okay. J'ai pas encore reversé mon argent. C'est ma prime pour pas que vous me foutiez du plomb dans l'aile. C'est la prime que t'as été prendre de ce que tu as looté. On a un mouton. Et alors? Mais on n'a pas l'enclos. Ah, oh, bon, on le met chez moi. Bah oui, on va le mettre chez toi dans ton étable. On le met chez moi. Ok, je suis. Ah, y a 710 dans ton coffre. Ok. Il y a encore 40 en fait et on peut reprendre une mine quoi. Tu l'as attrapé là déjà? Ah ouais? Ah ok. Je me suis. Je te dépose aussi des flingues dans ton armoire. Ouais, ça va être ici qu'on va mettre, on va entreposer tous les flingues. Hein. Ouais, c'est bien. Ouais, ça marche. J'ai mal le temps de faire une armurerie. Ouais, c'est impec. Parce que là, il y aura mes flingues à moi normalement dans le shérif. Hein. Il y aura pas les flingues de tout le monde. Non. Ah si, il y aura les gros flingues. J'ai une armoire avec les armes perquisitionnées, genre. Ah oui, ça, les impériques qui sont elles seront dedans. Lui qui les juste un marteau et sa bible. Bon, il arrive un petit peu vite le mouton là ou pas? Parce qu'il est un petit peu lent. Hein. Ah ouais, non, mais là pour le ramener, on va mettre 2 heures. Il suit toujours? Ouais. Ouais, il faut pas que tu shift en fait. Vous êtes parti par où les loups? On est parti plein ouest. Et je prends mon flingue pas où. On revient. Ok, d'accord. Ah, j'ai réussi à choper un mouton, donc on va pas l'abandonner le pauvre. On va aller chez moi. D'ailleurs, elle est où le base? Ah, elle est là-bas. Ah non, elle est là-bas, ouais. À droite devant, mais il faut passer la rivière. J'espère que le. Est-ce qu'un mouton flotte? J'ai un mouton aussi. Est-ce que. Il est où là? Il ne suit plus. C'est le. Et c'est chaud à revoir les moutons, putain. Ah, je l'ai eu du premier coup. Non, ouais, tu lui envoies le lasso et c'est fait. Hein.
En fait, tu te mets sur ton cheval et tu cours très proche de lui, tu lui balances. Je me dirais. Ouais, bah moi, c'est ça buggy. Hein. Tu restes derrière lui, Isra, pour nous dire c'est ouais, ouais, je te protège, je me protection, me rapprocher. Les bergers, quoi, pour un mouton. Je fais mon taf de shérif adjoint, y'a pas de soucis. Ah, tu me remercies pas, Frix, je vais demander ça, hein. C'est un mal propre. Bah, mais non, ah, voilà. Ah, mais tiens, en un coup, hein, c'est un one shot le mouton. Il est capable de l'égorger, lui. Tu l'as tué? Non, je l'ai attrapé. C'est un one shot. Non, mais t'as bien entendu ce qu'il a dit. Il a dit c'est un one shot. Hein. Mais non, mais c'est. Il a pris sa Bible, il a fait one shot. Voilà, c'est bon. Viens ici, Isaac. N'importe quoi. Non, mais le mouton, c'est. Tu l'attrapes en une fois? Ouais. Ah ouais. Mais par contre, ça meurt très vite. En local, j'en ai attrapé un 3. J'ai juste à côté de ma baraque. Là-bas, il y a un truc, c'est quoi? C'est un PNJ ou c'est un cheval ou autre? Et le lendemain, ils étaient tous morts. Ah, d'accord. C'est un cheval. Un cheval. Ah, il est noir, non? Non, marron et noir. Vous avez mis où les moutons? Jaune devant, marron derrière. Ouais, c'est ça. Vous avez mis où les moutons? On va les mettre dans les tables à Hydra. Ouais, chez moi. Ok, ah, bah, j'arrive. Chez le courbeau, ouais. Je passe à côté d'un ours, hein. Alors, c'est le moment de voir si un mouton flotte. Non, le mouton passe pas la rivière, il veut pas. Ah si, il veut. Ah, le mouton... Ouais, ça flotte cool, en fait. Ouais, il est pas tout à fait. Bah, la laine, c'est bon. Oh! Ça tire... Oups, ici. Ils sont 1, 2, 3. 1, 2, 3, ouais. Touché. Moi, j'ai raté. J'arrive avec un mouton. Je recharge. Il y a moyen que je le... Ah, il est mort. Fais attention derrière la charrette, il y en a peut-être d'autres, non? Non, il y en a encore deux, ils sont partis un peu plus loin. Touché, il va venir vers nous, du coup. Ouais, ils étaient trois. Ouais, et l'autre, il est parti sur la gauche, là. Et moi, j'ai pas de visée dessus. Oh, Isra, je te ramène le mouton. Je le mets où, dans ton enclos ou bien dans le... Ouais. Je le mets dans l'enclos ou bien dans... Où est-ce que ouais, je le mets? Ouais, rentre dans l'enclos, près des poules, là. Près des poules? Ok. Il est où, l'autre? Il est parti sur la gauche du rocher. Va sur la gauche, prendre la droite. Et on le cerne. Je le vois, sur la gauche. Ouais, je le vois. Du coup, le but, c'est d'agrandir notre vie. Quasi-dit, merci pour le follow. Et donc, n'oublie pas de passer par chez moi. N'importe quoi. Du coup, le but, c'est d'agrandir notre ville. Mais oui, on veut faire une ville... On veut vraiment faire les choses grandes, bien, tu vois. Mais du coup, voilà, si vous êtes des joueurs et que vous avez envie de me taper sur un petit serveur sympa, n'hésitez pas. Venez voir par chez nous et on peut augmenter les slots et... Ah, il est blanc, gris et noir, celui-là. Ouais, non. C'est bon, il a pas de crinière du tout, ce con. Il a... Non, c'est un chauve comme moi. C'est pour moi. Non, si, il a une crinière sur le côté, en fait. Il a la crinière que d'un côté. C'est le... Vous... Merci à toi, en tout cas... Max Cassidy. Moi, je t'ai mis le mouton. Le mouton est chez toi, ma poule. On approche 100, les gars, 92. Du coup, 8. Ramenez vos cousins, vos cousines, vos grand-mères, c'est le moment. Ah, pas la grand-mère. Si. On l'enterre hier. Tu devrais savoir qu'Isra, il se tape tout, Frit. Hein? Ouais, mais ça suffit. Pourtant, elle est morte, la grand-mère. Il prend tout ce qu'il veut. Il prend tout ce qu'il trouve, Isra. C'est n'importe quoi, mais arrêtez d'être désagréable. On n'est pas désagréable. On met de l'ambiance sur ton stream, donc. Oh là là, regarde, c'est comme Frix, hein, quand on lui met des balles dans la tronche, c'est du joueur, ils aiment bien. Ah oui, mais ça, les gens, ils aiment bien. C'est pour ça, c'est pour ça que je l'invite. Moi, je propose qu'on mette Frix en prison et qu'on s'amuse à tirer à travers les barreaux. Bien sûr. On peut faire un... Ouais. Si on lève très très haut et c'est... Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais. Alors, est-ce qu'il te suit, toi, ou ta monture? Frix, est-ce que le mouton que t'as largué, il a l'air un peu en panique? Non, c'est parce qu'il l'a... Il l'a laissé en... Ouais. Ah, il arrive, ce con, là. Du coup, je peux rien faire. Tu l'as laissé en follow, du coup, il a un peu pas bien, ton... C'est peut-être ça. Ouais, il y a là, le mouton. J'avais encore des mongeoires. Attends, je vais aller chercher les mongeoires. Ils vont avoir faim. Mais ce qu'il faudrait vraiment qu'on fasse, c'est avoir des... De la bouffe, parce que les framboises, j'en veux plus, quoi. Si, j'ai tout. J'en ai encore plein. J'en ai encore plein, si tu veux. Et en fait, tu peux pas enlever le follow du mouton.
Ah bon? Comment ça? Non, non, il y a que toi qui peux le faire. Non, 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 moi je sais pas. Je sais pas le faire non plus. Ok. Tiens, si tu peux mettre de la bouffe là ou c'est bon? T'as quoi là-dedans là? Non, là c'est l'eau. T'es où? Là, là, là. Stockage ouvert. Bah 60B, c'est tout ce que je peux leur mettre pour le moment, c'est déjà pas dégueu. Bon, et toi t'arrêtes de me suivre. Vas-y, t'ouvres la porte et je me casse et tu la fermes derrière moi. Ah. Non mais alors tu sautes au-dessus. Non ça marche pas. Non tu peux pas. Non je sais, j'ai. Non. T'es prêt? Ouais, vas-y. Ferme. Je sens que je vais retrouver des moutons dans mon lit. J'ai même pas ça. Les gars, avec vos follow à la con sur des moutons. Bah c'est pas notre faute, c'est pas notre faute s'ils nous suivent, hein. C'est pas nous hein, qui avons fait le truc. Après, il y a peut-être un truc à faire, une bergerie ou un truc du genre. Qu'est-ce que tu fais la biquette sur mon... Mais t'es sérieuse? Mais non, mais t'es sérieuse? Tu veux finir sur ma cheminée, toi? Mais t'es sérieuse? Qu'est-ce que tu fous sur ma chaise? Les gars! Mais t'es sérieuse? Quoi? Non, mais oh! Il a posé une troisième mine. Mais on est où ici? Pour la map, elle est générée aléatoirement ou c'est la même pour toutes les parties? Est-ce qu'il y a un fake? C'est la même map. Bon. C'est là c'est tout moche, hein. Franchement c'est moche. Alors. Viens voir ce qu'il a fait, c'est dégueulasse. Mais c'est pas une église mec, c'est Notre-Dame. Il aurait... Non mais c'est même pas ça. Viens voir les... Regarde les planches qu'il a mis en bas, il aurait dû mettre du blanc. Non. Là, marron, comme ça, non. C'est ouais mais justement. Ah, mais ouais. On dirait tellement... Non ça ressemble à rien. On dirait un film de Thelma et Louise. Ouais, mais pas tellement Louise. Plutôt Thelma. Pas vraiment tellement Louise. C'est plutôt Louise, mec, plutôt attaque. Quoi. On dirait même du Big Flo et Oli, là, je te jure. C'est moche. Bon, à la mine, les gars. Pourquoi à la mine? T'as acheté une nouvelle? Non, j'ai envie d'aller chercher de l'or. Bah, et quoi, donc ça retope aussi? Bah, y'a alors. Quoi, non, on peut passer à la première mine. Hein. De... Moi, je vais changer de religion. Moi, moi personnellement, c'est quoi? Je vais me convertir au cannibalisme ou alors. Ouais, ça marche. Les indiens, les trucs du genre, parce que là. Hashtag, je mange un peu. Au final, il va faire un jour et un dimanche, il va faire. Hein. J'avoue, c'est pas très joli. J'ai des avis négatifs sur mon chat. Falco demande si la dynamite est déjà active sur le jeu. Attends, je vais me rendre compte d'un truc. De Falco, il faudrait que tu démolisses complètement ton église. C'est qui a fait le truc du shérif déjà? Ah non, ben voilà. Bah écoute, tu te plains au syndicat des shérifs. Parce que en fait, gars, ça fait vraiment très très moche le bois là. Le toit, t'es d'accord hein? Ah non, mais laisse tomber. Mais quoi. Putain, mais c'est pas moi qui fais. Oups. Le toit. Tu vois le toit de ma maison? Attends, tu vois le toit de ma maison ou pas? Avec le drapeau américain. Ouais, alors. Ben tu fais la même chose en plus petit, c'est beaucoup plus classe en fait, tu vois, pour le shérif. Bah moi, c'est à ça que je pensais. Ah bah complètement, je ouais. Pas, parce qu'il y a quelqu'un qui a ça, de moche. Non, mais le mec, il a jamais vu des maisons de western, c'est pas possible, il a jamais vu un western spaghetti. Il avait juste dit, au-dessus du mur là, il faudrait juste augmenter, mais de la moitié d'un mur, tu vois. Non mais Frix, il a jamais vu que des western bolo, c'est tout. C'est n'importe quoi, regarde. Il était trop concentré sur Lucky Luke, oui. Même sur l'église, je veux dire, ça ressemble à rien. C'est... Il y a un moment, il va nous créer un drakkar sur l'eau. Ouais, comprendre. Mais c'est pas du tout un style. Ah non, mais là franchement c'est moche. Faut vraiment que tu changes ça. Faut vraiment que tu la mettes tout en blanc. C'est même pas fort à la mode. Non, tout en blanc, c'est moche. C'est moche. Non, tout en blanc, c'est le style. C'est le style de l'époque, tout en blanc. Mais complètement. C'est moche en blanc. Mais non. C'est bien plus beau que ta merde. Mais je vais montrer des images d'église de l'Ouest. C'est ça. Normalement c'est tout en blanc. C'est un truc gros truc. C'est la même église. Oh. Mais tout en blanc, et en plus le clocher, hein, il est pas à l'arrière, il est devant. Mais oui, je sais, mais devant, c'est en pas fait. L'espèce de bunker. Mais ouais, mais je l'ai fait devant, mais derrière, le problème, c'est qu'il faut bien. Il fait une tour de guet dans ce lieu. Viens, Hydra, on meurt, c'est pas moi qui. Ouais, je change de ville. On irait pas se faire une ville ailleurs. Je vais là-bas, je vais trouver. Oui, ouais, le train viendra chez vous. La bonne hérédité vous viendra. Non, mais t'inquiète pas, je pense que tu auras des petits trucs de dynamite. Ouais, ça va être vite fait. La modernité viendra chez vous, non, vous verrez. Attends, on est là pour tester, on est là pour les viewers. Donc moi je propose un pote. Et lui il teste des trucs de merde. Moi je peux tester la dynamite sur l'église. Je propose qu'on teste. Mais j'attends de dynamite sur l'église. Si mes viewers sont d'accord. Bien sûr, on attend que Frick soit à l'intérieur. Hein.
Ah oui, oui, non mais complètement, on l'enterre dedans. Oh, vous faites chier, vous faire des trucs, oh merde. Ah non, mais attends, c'est de la mocheté, c'est de la mocheté, on n'y peut rien. C'est moche, on le dit, c'est tout. Même les viewers, ils le disent, comme quoi c'est moche. On dit un viewer d'abord, monsieur, un viewer. Ah, je m'en fous. T'es français ou quoi? Je parle français. Non mais j'avoue, pour sa défense, Falco, il était gentil, il a dit j'avoue, pas très joli. Mais il était poli. Tout compte fait, Falco, j'ai pas besoin de ton follow. Mais c'est n'importe quoi. Ne l'écoute pas, Falco. Ne l'écoute pas. Venge-toi. Voilà. Vote pour la dynamite de... Mais très cher frère. Il y a marqué 10 votes pour la dynamite. Falco qui met... Grave, go dynamite. Aucun respect, si je te jure. C'est... Oh, allez, on est dans l'Ouest. C'est ça, la maison de Dieu, quoi. Oh, c'est bon, t'arrives à suivre. Ah, mon Dieu. Ouais, j'arrive à suivre. T'inquiète. Ah, 9400 en moralité. Tu vois, je t'ai dit. Ah, moi, je suis à 8300, là, c'est bien. Non, on monte vite. Hein. Non, mais vous voulez ça tout en blanc? Ouais. Bah oui, c'est d'une église tout en blanc. L'époque. Non, mais tu ris ou quoi? Non, tout en blanc et sans truc arrière. Le truc arrière, c'est bidon. Non, mais je vais l'enlever, mais ça, de toute façon, je vais l'enlever. En fait, l'autre, c'est une réplique de Notre-Dame de Paris, quoi. Oui. Ok, mais ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, les gars. Du coup, non, vas-y, fais ta Notre-Dame de Paris, y'a pas de soucis. Je vais lancer une torche. On va faire un remake de Notre-Dame de Paris qui brûle. Oh non, non, non. Ça, on peut pas, ça, on peut pas. Ah si, moi, je peux, je suis français. Je peux, moi, je suis français. Okay, mais en tant que belge, non, on peut pas. Non, on peut pas. Allumez le feu. Mais il est belge, il est belge. Et là vous avez tous les viewers français qui sont en train de regarder, qui font bande de connards, dégagez. Mais il est belge, Johnny. Madame là. Ouais. Il est venu le temps des cathédrales. Ah c'est là, bon. On l'a perdu complètement. C'est bon. Allez, je te laisse looter. Drop quand même que tu lootes un peu. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, les pistolets que tu récupères, ils ont automatiquement 6 balles de feu. J'ai rien eu en fait. Attends, j'ai pas looté. Ah si, j'ai rien looté. T'as dû choper du pognon. Non, possible. Chope minimum du pognon si t'as pas de balles. Ouais, possible, mais y'avait pas grand chose du coup. Mais les armes que tu chopes sur les bonhommes là, ouais, elles ont automatiquement 6 balles dans leur truc. Ouais, Donc du coup, même si on a plus de balles, au final, on peut se servir des pistolets... Ouais, tout à fait. Non, j'en ai rangé beaucoup, Ouais, dans mon armoire, là. Non, chez moi, en fait. Je vais les rapatrier chez toi. Il n'y a pas beaucoup de PNJ, n'empêche. Hein. Ça manque vraiment de PNJ. Mais ouais. Mais c'est ce que disait Falco, c'est ce qu'il trouvait par rapport à la map. Et je veux des Indiens. Ah oui. Ah ouais, des Comanches et tout. Mais et pouvoir choisir de faire Indien, parce qu'à la limite, à un moment... À un moment, ouais, tu peux laisser ton bonhomme, tu fais une vie, tu mets des gardes et tout ça, et après tu fais un plateau indien. Et sur la construction, ils sont juste pour les tipis, pas des trucs en hauteur, tu vois, des trucs simples, juste un. Non, mais ce qui serait bien en fait, tu vois quoi, c'est que tu te crées ton perso, d'accord? Comme on a fait, tu te crées ta ville, tu mets des gardes et tout. Oula, attends, le cheval. Ah ouais, il est beau, mais ouais. Non. Mais il est beau, ouais, il est sympa. Non, j'aime pas. Du coup, tu fais une ville et tu mets des gardes avec les fusils comme on peut acheter et tout. Ouais. Et après, tu te crées un perso indien et tu donnes pour objectif d'attaquer cette ville. Ouais, tout à fait. Non, ça, je suis pas fan. Tu streams demain. Oui, normalement. En général, demain. On stream tous les jours, seulement on n'a pas vraiment d'heure fixe ou quoi, nous. Voilà, comme certains streamers qui ont un planning. Voilà, là en tout cas tous les trois, oups, Frix et moi-même on stream, donc voilà, on a plein d'autres, donc rejoins le Discord, n'hésite pas, il y a les pubs pour tous ceux qui stream, donc on balance les annonces dès que les gens, les copains, là il y en a un à gauche, dès que les copains commencent à streamer, un fermier. Bah il peut venir sur le Discord et il sera au courant quand on stream. Et tu verras les annonces de lancement de live. Ah, tu après, vas avoir des balles de... Ouais, j'ai des missions pour fusil, génial. Mais donc voilà, mais après c'est vrai que personnellement j'ai pas d'horaire, pas de planning. Voilà, on fait un peu à l'arrache quand on en a envie. Quand on en a envie, comme on en a envie. Et puis voilà, parfois on va se dire tiens, mercredi on fait du Outlaw et mercredi on va se retrouver à faire de l'Overwatch. Non, regarde, il y a un mouton blanc. Ouais. J'ai raté. Ah, gâche pas tes balles. Non, je sais bien, c'est un réflexe. Donc voilà, et là c'est quoi? C'est des loups? Ouais, on s'approche pas, ils vont nous pourchasser. Ouais, ça sert à rien. Ah, t'as pris le Discord. Bah écoute, GG, donc comme je le disais tout à l'heure,
pas à le rejoindre. Sauf que tu vas tomber dans un Discord complètement vide jusqu'à ce qu'on te up membre. Donc n'hésite pas à faire un petit wisp à moi ou à Frix pour qu'on te up membre si on l'oublie, parce que parfois ça arrive. Ouais. Souvent. Une fois on m'avait mis membre gasoline, mais on m'avait pas mis streamer, du coup j'avais pas accès au channel. Non, ça c'est évolué. Non, mais ça c'est évolué, hein, ça c'est évolué. Faites attention à vos gueules, les gars. Vous savez que notre âme de Paris, ça pourrait très bien se passer aussi en Belgique. On te Non, c'est pas vrai. Ah si si, ça pourrait très bien se passer en Belgique. Non, non, ah mais c'est pas pour ça que je disais, non, non. Ça serait... les baraques de deux streamers ont brûlé. On se demande et on est en train de se faire la map, là. T'es... On va loin. Vache. Ouais, mais on va aller plus par là et après on va revenir, je pense. Ouais, parce que ça devient long, là. Mais c'est vrai que ça manque, tu vois, même d'une ville PNJ. Ouais, ça, il faudrait vraiment qu'il y ait une ville, là, PNJ. Un truc où tu peux aller faire des bagarres dans les saloons, jouer au poker, regarder des danseuses de French. Après, c'est peut-être des trucs qu'ils vont prévoir plus tard. Hein, mais Oui, mais comme je le disais tout à l'heure, je pense aussi, vu les développeurs. Voilà, ils ont là, fait Ark, ils ont quand même fait aussi Atlas. Ils ont fait, pour moi, une putain de base, et je pense qu'ils vont pas s'arrêter là, clairement. Mais apparemment, il y a un autre, on m'a dit qu'il y avait un autre jeu de. De prévu. De Cowboy à peu près dans le même style. Non, non, dans le même style. Pas par les mêmes développeurs, par contre, par un truc plus petit. Oh, et ouais. Qui a l'air d'être beaucoup plus joli, par contre, au niveau des graphismes. Oui, mais il y a peut-être moins de possibilités. Toujours, hein, au début, les graphismes, c'est moins. Ah non, mais ils sont aussi en cours de développement, comme. Écoute. Moi, je dirais en cours. Pas joli, t'as vu la map quand même aussi. T'as vu la taille. Il est beau ce jeu. Il est beau. Mais ils font toujours des grandes maps maintenant. Hein, depuis qu'ils ont fait la plus grande map sur Ark, ils font que des grandes maps. Hein. Ouais. Et là encore, je pense que c'est rien, parce que je pense que par la suite, ils vont encore nous faire comme avec Ark, des Adeléon avec des encore plus grandes maps. Ouais, je pense aussi. Hi-ha ! Oula. Tu me passes encore une fois au-dessus comme ça, t'es mort. T'as clair, chérie. Non mais ouais, c'est pas un petit cow-boy de... Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Il essaie de stopper mon cheval. Non, j'essaie de me reproduire. Reste derrière. Reste derrière, t'as dit. Non, mais je suis un shérif adjoint qui prend les balles pour son shérif, moi je me mets dedans. Mate les belles fesses de ton du cheval de ton shérif. Il a un beau pistil, les balles de ton shérif. Ouais. Bien, on a juste à continuer tout droit, on va retomber sur la base. Hein. Ouais. Comme on parle. On est bon, hein. Ouais, on est droit devant. Ouais, droit devant. Un tout petit peu sur la... Bon, je vous laisse bonne nuit à vous, je passe quand tu stream. Merci à toi, Falco, bonne nuit. Kissou, Falco. Et merci pour ton interaction. Et si tu veux avoir un vrai streamer, tu peux toujours venir chez Frix, quoi. Je sais pas, j'ai muté Mais attends, c'est moi ou il vient de dire un vrai streamer Merci bon. En tout cas, Valko. Merci. Si tu as envie de voir Bozo le clown en live, tu vas sur le stream. Tu restes chez moi. Non mais s'il veut voir le stream de s'il veut voir Bozo le clown. Et de toute façon tu pourras voir la fin du... Ouais, la rediff. Bien, mais aussi la rediff sur... Sur YouTube, hein. Sur Twitch aussi, là. Oui, mais après ça reste pas longtemps, donc... Bah, une fois, c'est plus que je fais sur... Oh, la belle vue qu'on a ici. Ouais, j'avoue. Et la tour, je la fais en quoi? La tour, je la fais en bois, je la fais pas en blanc. Justement, shérif... En blanc aussi, tout est en blanc. Putain, c'est de la merde. Non, c'est toi qui as des goûts de merde, là, franchement. Justement, shérif, j'attendais une belle vie comme ça. Dire que... Le mec est un peu trop seul dans l'Ouest, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je sais plus, c'est pas grave. J'ai pris ma bague, je l'ai oublié dans le tiroir. J'ai oublié ma bague dans la commode de ma chambre. Merde. Je vais faire ma déclaration, c'est foutu. Hop, comment passer la rivière facile. Par contre, je vais en profiter pour boire et bouffer. Bah, y'a rien du tout. Hein. Non, c'est bien vide. Parce que... Bon, alors, on s'est quand même refait quand même quelques balles, mais pas assez quoi. Non, j'avoue. Attends, t'es parti tout droit? Ouais. Ah ouais. Et je t'attends. En haut de la colline. Je te vois pas, zaï. Zaï. Non mais je te vois vraiment pas en fait. Là continue, trace tout droit. Ah ouais, je trace tout droit. Je te vois moi. Ouais, je te vois. Ah parce que cette fille là... Putain.
trace tout droit. Cette ville. Et plus par là d'ailleurs de baraque. Ah purée, t'arrêtes de me porter dessus là. Je vais tuer ton bourbon, hein, tu vas voir. Ah non, bourbon, il fait rien. Bon, bon, dit, Thomas, il était moche. Alors, bon. Non mais j'avoue. En fait, il était pas comme ça avant. Bah moi non plus, il était pareil que toi. Hein. Ça a changé, bourbon. C'est vrai. Ah oui, le mien était pareil que toi. Et là maintenant, il est gris. Ah mais je croyais que t'avais changé, moi. Ah merde. Ah oui, parce que toi, on dirait un vieux Comanche. Ah, on dirait vraiment un cheval d'Indien, là, par contre. Ouais. Ouais, complètement. Salut, c'est que joigne. Donc ça collait bien avec quand on possédait encore l'arc et les flèches. Mm-hmm. Maintenant. Et là, oh là là, le rollback. T'as vu le lag qu'on a constaté? Ah oui, mais c'est parce que c'est des constructions de fric, ça. Ah, putain, regarde tout ce qu'il a. Regarde tout le bas qui t'a construit à droite. J'ai connu ça sur arc. Dès que t'arrivais à proximité du camp, bah tu mettais un quart d'heure. Enfoiré. Mais regardez notre ville, franchement, vu d'ici, elle claque. Moi je dis que notre ville, elle claque. Moi, ça donne vraiment très bien. Elle est vraiment sympa. Oh, c'est un miracle, il est en train de tout changer, les murs et tout. Ah, non, c'est pas mal. Là, ça commence là, à... Là, c'est mieux, bien. Déjà. Là, c'est beaucoup mieux. Est-ce que je peux dynamiter la tour arrière? Est-ce qu'il peut dynamiter en fait tout ce qui est pas blanc? Ouais. Oups, je te propose d'aller sauvegarder l'argent qu'on a gagné. Je t'ai mis 700 balles dans ton coffre. Mais n'oubliez pas de vous vider les poches. T'inquiète les bourses, pas, moi je vais te mettre dans ton cul après. Videz-vous les bourses. Videz-vous les bourses. Quand vous rentrez au camp. Ok, videz-vous les bourses. Fais, il sera mettre ton cul. C'est déjà fait, regarde dans ton coffre. Ouais, j'avais tout de suite 20$. Faut aussi finir cette prison, hein. 174, on a 910$, là, les gars. Ah, ça commence à venir. On peut avoir le train. On a plus de 1000$, j'ai encore 10 lingots, j'avais même pas vu. Ouais. Bon, on redescend la mine ou quoi? Moi, je redescendrai bien dans la mine. Après, on peut savoir qu'on peut redescendre la mine pour faire des lingots. Moi, vu le timing, là, il est minuit. Je pense que je vais tout doucement vous laisser là. Oh, le petit joueur. Ah ouais, non, mais là, bien crevé. Demain, levé 5h30, donc ouais. Ouais, c'est ça. On va faire ça. Oubliez pas avant de partir de donner un petit coup à bouffer à vos chevaux. J'ai d'ailleurs même en train direct 10. Hey, vas-y, l'autre connard, il a encore 45 lingots dans son armoire. Il fait des lingots là, tu sais, je te jure. Mais non. Mais j'avais pas vu qu'il me restait, j'avais mis les lingots. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi est-ce qu'il veut pas... Non mais attends, j'ai un souci avec mon cheval. Pourquoi est-ce qu'il ce veut mec pas... c'est une vraie rature de bouteille. C'est mes réserves de campagne. Oui. Allez hop, va vendre ta... Allez, 450 boules, allez. Et moi 100, donc ça veut dire qu'on va être à 1500 à peu près. Regardez ce qu'on peut prendre. Ponyem, oh, mais non. Mais ouais, mais laisse mon ponyem. Mais t'as pas on peut prendre la station de train si on veut. Ouais, je sais pas. Moi, je mettrais ça plutôt de ton côté, la station de train, non? Est-ce qu'il est mon saut, là? En fait, il est déjà rempli, mon saut. Et ton pognon? 13,60. Mais tu sais que ton âne, il a failli crever de soif, hein. Oui, mais j'arrête pas de leur donner, c'est un truc de fou. Ouais, je sais bien. On t'avance, le prêtre de merde, là? Alors, on peut mettre aussi la banque, 1200. On a 1460. Il nous manque 40$ pour le barbier, on s'en fout. Ouais, non, moi je ferais pas. Ouais, après. Non, le barbier, on s'en fout pour le moment. Le barbier, c'est pour changer mon coupe. Ouais, je pense bien que ça sert à rien. Hein. T'as vu qu'il y a des gardes aussi à 500 balles pour mettre dans ouais, la. Les gardes, on verra vraiment à la fin quand on aura vraiment eu tous les bâtiments. Ouais, c'est ça. C'est quoi sa gold. Moment, c'est quoi sa gold exchange? C'est ce que t'as mis, c'est ça? Ouais, c'est le gold échangement d'or. L'auctionneur, on s'en fout, on en a vraiment pas besoin. Ça fait quoi? Requête pour recruter? Bah c'est pour un HV en fait, c'est un hôtel des ventes. C'est un hôtel des ventes entre joueurs. Donc ok, d'accord. Train station est à 1000, la banque est à 1200. La banque fait quoi? Bah on sait pas. Ça donne des thunes si tu déposes des Moi thunes. Je dis que la banque ça pourrait être pas mal parce que si ça te fait rapporter un peu de fric ou... Ou alors est-ce que ça nous fait pas pour nous déposer notre pognon chacun au cas aussi peut-être? Ah possible ça. Peut-être avoir un compte privé. Ouais, c'est possible. Parce que là actuellement là en fait on a un coffre mais c'est chacun son coffre quoi. Ah, c'est non moi je dis que le plus intéressant pour et le moment c'est quoi Smith et les tables. Et l'hôtel c'est quoi? Il y a 3000. L'hôtel c'est un hôtel.
Sans deck. Ouais, mais. Sheriff Station, c'est un Sheriff Station, je parie. Et maintenant, l'hôtel, tu peux peut-être le mettre. Tu sais, genre, tu fais ta gare dans le désert. Et tu mets un hôtel là-bas et peut-être que tu peux avoir un spawn point. Ah, peut-être, quoi, ouais, peut-être que ça peut te servir de spawn. Ouais. Et l'hôtel, c'est quand même 3000. Donc pour le moment, on n'a pas assez. Non, mais non, moi, je ferais le train. 6000. Non. Moi, je ferais le blacksmith et l'étable en premier. Plutôt l'étable, parce que le blacksmith, logiquement, blacksmith, si je dis pas de conneries, hein, c'est forgeron. On a déjà un truc de forge pour le moment. Ouais, mais il fait peut-être des trucs autour. Voilà, c'est ça aussi. Donc, c'est chiant, ça peut-être qui est chiant. Qu'il est plus pété, quoi. Peut-être que lui, un lingot, c'est pas 5 minerais, mais c'est. Ouais, fort, c'est ça, ouais. Ouais, c'est attesté, quoi. Ça, de toute façon, il faut qu'on teste tout. Bon, là, les mecs. Faudra qu'on mette tous les bâtiments qu'on n'a pas. Ouais, ouais, de toute façon. Bon, les mecs, moi, je vais vous laisser. Je vais fermer le stream là. Si mon Discord veut bien se remettre. Écoute, moi aussi, je vais claquer ici. Allez, bye bye, merci à tous. Merci à Mimi, Misako d'être venu. À ThePet62 pour son flow aussi. Et à Mortality. merci à vous deux, les gars. Je vais dire bye bye. Ciao les gars, merci, bonne soirée.